Bienvenue dans ce petit stream. Eh bien, attendez, on va baisser la musique parce qu'elle est un peu forte, mais on va se la garder en fond, le temps de discuter un petit peu avec vous. Comment ça va, Kilay? Très bien, toi? Bah, ça va très bien aussi. J'espère que le son est bon, que tout marche bien par chez vous.
Je teste OBS Studio, donc voilà, j'ai dû refaire un peu mon setup et tout, mais je pense que ça peut être bien par la suite d'avoir OBS Studio de fonctionnel. Et effectivement, on voulait tester, et quitte à tester, autant aller directement sur un jeu qui coule, c'est Fury. Donc je sais pas si vous avez vu un petit peu la vidéo d'actualité que j'ai faite récemment, sûrement les gens qui sont là, je pense que c'est possible. J'ai participé avec Prosper en fait à l'élaboration du mode speedrun du jeu. En fait j'ai été contacté par The Games Bakers donc il y a maintenant à peu près 6 mois. On vous entendrait bien, ce serait mieux. Vous nous entendez pas bien, c'est-à-dire la musique est encore trop forte. Allô, allô. Bon, normalement il y a du volume les petits amis, hein, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Là ça pète nous chez nous, je suis à 0 dB, si je mets plus fort après. Monte le volume sur ton ordinateur peut-être. Non, j'ai pas mis de casquette parce qu'il fait quand même assez lourd et chaud. Ouais. Et je me suis dit que si c'est bon là. D'accord, on vous entend très bien. Donc en fait, l'out faisait de la merde. C'est pas grave. Donc en tout cas, pour vous dire que j'ai eu la chance d'être contacté par les développeurs qui sont très sympas, qui sont basés à Montpellier et qui nous ont demandé comment est-ce qu'on pourrait faire un mode speedrun dans Fury. Et c'est vrai que c'était un peu particulier parce que le jeu est un boss rush, il y a des boss à enchaîner. Et c'est un peu particulier sur ce genre de jeu de faire un mode speedrun et de voir un petit peu quelles sont les contraintes que l'on allait avoir. Et donc voilà, on a réussi à travailler avec Prosper, on leur a dit par exemple des choses assez simples, hein, d'enlever les cutscenes. Au début ils n'étaient pas d'accord, tu dis, oh non, les cutscenes quand même, non, les gars, vous enlevez les cutscenes. On leur a expliqué justement qu'est-ce qu'était, en fait l'idée qui était là à la base, c'était de dire aux gens, vous allez pouvoir speedrunner le jeu sans live split, sans logiciel alternatif, et donc aussi sur console. Parce que le jeu est sorti à la fois sur PS4 et Steam le même jour, surtout que sur PS4 il est gratuit avec le PS Plus. Donc tous les gens qui avaient le PS Plus ont eu le jeu gratuitement, et je me suis dit si effectivement il est sur console, alors pour des raisons techniques et pratiques, on va dire, les deux leaderboards sont séparés des deux, s'il y a deux records du monde, on va dire, un sur PS4, un sur PC. Même si les timings peuvent être complètement comparables, vu que justement le timer enlève les temps de chargement, il fait ce que devrait faire en fait un mode speedrun, quoi. Ouais. C'est plutôt ça qui est pratique. Et vu que le jeu se base beaucoup sur la replay value, la rejouabilité, vu qu'on apprend, vous allez voir par la suite, la caméra, l'écran bouge beaucoup. Ouais. Ah mais regardez, c'est parce que je tape dans l'écran en fait. Hein, donc vous inquiétez pas, ça bougera pas par la suite. Ils ont quand même gardé les cinématiques pendant les combats. Ouais, celle-là, ouais, on les a gardées parce que ça permet de faire des petites pauses, et en fait c'est aussi des cycles du boss. Donc on pouvait pas couper les cinématiques inter-combat entre, dans les combats ça aurait été c'est très intense déjà. Par contre on a fait quelque chose, c'est que entre chaque boss tu peux faire une pause. Le timer est arrêté et tu peux t'arrêter et reprendre. Mais on a fait des tests un peu violents, du genre qu'est-ce qui se passe si tu fais Alt F4, que tu quittes le jeu et que tu reviens, est-ce que le mode speedrun va accepter que tu le fasses? Et ça aurait par exemple pu permettre que tu reviennes en arrière si ça se passe mal un boss, tu vois. On a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on fait du multisegment, est-ce qu'on fait un timer par boss, tu vois, ce genre de choses. Et en fait on l'a pas fait parce qu'on considère que la catégorie la plus importante c'est le 1%. Ouais. Et que, en fin de compte, le multisegment est faisable toujours à part, et c'est pas... Et t'as ton temps, t'as des splits par boss, donc c'est quand même assez pratique, et on leur a donné, c'est le seul endroit où il y a des noms. Les boss n'ont pas de nom, le jeu ne donne aucune information sur le nom, sauf dans les splits qu'on a créés, qui ont des petits noms. Ça te donne ton PB, ça te donne aussi ton Sum of Best, et le nombre de coups que tu as pris, et le nombre de fois où t'es mort. Voilà, pour aussi faire des runs justement des catégories, genre du no death ou de, on espère un jour, no hit. Même ça, pour l'instant, je crois que la run la plus courte est quand même à 300 hits, quoi. Ah oui. Ouais, non, ça va pas être... Mais on voulait un truc très très dur, que quelques acharnés sur le jeu seraient capables d'atteindre, et ce sera les runs no hit qu'on espère voir un jour arriver. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous expliquer la situation de ce que j'ai pu faire sur le jeu. Et toi, Kilaï, toi t'étais pas lié à ce projet-là, donc tu n'as jamais joué au jeu. Non, jamais. T'en as entendu parler, parce que on a parlé un peu tous les deux. Oui, surtout quand il est sorti, et j'ai vu quelques personnes, j'ai vu notamment les Angouines y jouer, mais juste ça. Voilà, mais tu vas voir que la sensation de jeu est assez différente de toute façon de ce que tu pouvais, voir. Alenoid, ce sera le respect intégral pour cette personne. C'était le projet, c'était de faire un truc. Voilà, quand tu arriveras à Alenoid, c'est...
308, non, c'est beaucoup moins. Bah, je sais pas, hein, sur le record du monde, je l'ai pas vu. Après, le record du monde bouge à peu près toutes les 20 minutes en ce moment. Donc, on verra par la suite. Alors, on va se lancer le jeu. Il faut juste que je mette pause sur la musique. Voilà, le jeu est lancé. Je sais pas utiliser OBS Studio. Hop. Est-ce que ça marche? Non. Attends un peu. Pourquoi il nous affiche pas le jeu? Peut-être rafraîchi Game Capture ou... Enfin, du coup, avec le jeu... D'ailleurs, je peux ouvert. Pas... Tu peux pas faire Alt-Tab, là? Ah non, ah non. Bah, ça fait ça, quoi. Ça, on vient de tester, ça marchait très bien. Alors là, je sais pas. Ouais, je réduis peut-être la fenêtre. Oui, en fait, non, ça va pas. Donc, enfin, là, c'est normal qu'il soit pas affiché, puisqu'il est... Non, mais tu vois, il prend pas... Il le prend quand il est en full screen. Là, avant, il était affiché. Bah ouais, ça marchait tout de suite. Attendez, on va essayer de... Ça, c'est, la... c'est les exploits de... du nouveau OBS. Capture any full screen application. Ok. Voilà, c'est bon. Ok, on est parti. Bah, je t'en prie, tu vas pouvoir prendre la manette. Donc, tu vas nous faire une petite nouvelle partie. Alors, il y a deux niveaux de difficulté de base qui sont promenade. Alors, promenade, honnêtement, tu vas t'ennuyer, toi, te connaissant par rapport à ton niveau de jeu. En gros, c'est le même jeu avec beaucoup de patterns en moins. En gros, les boss, normalement, en plusieurs, tu vas voir dans le jeu. Mais je te conseille de commencer en furie. Je pense que tu es un joueur aguerri. T'as pas besoin de faire de la promenade pour t'amuser avec le jeu. Et donc voilà. Donc la musique hein, qui a pas mal marché. Dites-nous hein, si pour le son c'est bon. En général, je mets quand même un petit peu de son parce que bah, la musique est sympa, l'ambiance est jolie. Ah, et le jeu est un peu coupé aussi. Je vais essayer de voir ça. Il manque le haut. C'est toujours cette histoire de 16-9e. Ouais, 16-9e. Ouais, ça a l'air de bugger un peu. Attendez, je vais vous corriger ça aussi. On va voir ici. Voilà. Et donc on fait cut. Voilà. Voilà. On est bon les petits amis. On va s'en sortir. Ah, tout est prévu pour faire monter la sauce qui se coule exactement. Donc t'as vu que Dingo avait un problème de bug après le boss 3, le jeu crash. Ah ouais ? Apparemment c'est un problème avec sa carte graphique et du coup... Ah d'accord, depuis la sortie du jeu, hein, j'ai donc contacté Emeric Thorin, hein, qui est le game designer du jeu. Il a pas beaucoup dormi, il fait beaucoup de corrections en ce moment, alors il y a des trucs qui crashent avec certaines cartes graphiques, il faut bien imaginer que c'est une petite équipe. Hein. Donc ils peuvent pas tout faire, mais il y aura des mises à jour qui corrigeront ça. Il y a un casque par exemple de Razer qui fait planter le jeu. Tu vois, c'est des conflits de drivers que tu peux pas vraiment anticiper, même si tu fais un maximum de tests avant ta sortie. Sur console, le jeu n'a pas de problème parce que c'est facile, mais sur PC, tu as une multitude de paramètres à prendre en compte, tu peux pas tout tester, donc ce sera corrigé au fur et à mesure. Ça me fait penser, il y a une photo assez marrante de Jonathan Blow. Je crois que c'est un ou deux jours après la sortie de The Witness, qui est dans un supermarché avec genre 10 cartes graphiques dans son, dans son caddie, parce qu'il y a eu des rapports de plein de personnes qui avaient des bugs avec telle ou telle carte graphique. Donc ils achetaient toutes. Décalage son image actuellement sur le stream ou parce que ouais, ça ne devrait pas être le cas. Donc là, tu peux te déplacer normalement. Ah, il n'y a que le stick gauche. Oui, alors en fait, si tu veux, je te donne un petit truc. Si tu veux te déplacer automatiquement, tu fais A. Et le perso va bouger tout seul et pas besoin. En fait, c'est juste des cinématiques, il n'y a rien à faire dans ces phases-là. D'accord. Donc si tu n'as pas envie de t'embêter, tu fais A et le bonhomme va se balader tout seul. Voilà, c'est. Bon, après, tu peux reprendre la main quand tu veux, hein, c'est sûr. Donc j'ai mis le jeu en français. Mais avec les voix japonaises, parce que je trouve la sauce. Voilà. Mais il existe des voix françaises et des voix anglaises. Je sais pas, nous ici, le son est pas décalé hein, du jeu.
Enfin, je... non, il m'a pas l'air. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Ouais, là je crois qu'ils ont pas acheté beaucoup de cartes graphiques ces jeux Game Makers. Vous imaginez la quantité de cartes qui existent. Puis je parie que la carte de Dingo elle date de 1992, donc c'est pas sûr qu'elle était très bien supportée. C'est du DirectX 6. Donc c'est parti. Donc les mécaniques de jeu, si vous l'avez jamais vu, en haut à gauche vous voyez les points de vie du héros, hein, tout simplement, que tu joues là. Il a donc, ça marche par un système de round en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, si tu tues le boss, tu vois. Alors là, il faut que tu fasses un petit coup d'épée. Voilà, parfait. De toute façon, là, c'est le boss tuto. Hein. T'as un retard de 2 secondes dans le son. Et pourtant, nous, on en a pas. Ah oui, on va commenter le test bloc tout à l'heure. C'est vrai que les voix FR sont de qualité. Hein. J'ai pas dit que les voix FR étaient pas de qualité, c'est juste. Ah oui, tu sais déjà parer, toi, c'est bon. Bah, il a dit parer, ouais, c'est bien. Non, mais tu paries bien, quoi. Tu vois, t'as déjà bien compris. D'habitude, tu prends quelques coups avant de réussir. Ah, je me suis pris quelques coups. D'accord, ok, j'étais pas en train de regarder. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a du retard et d'autres qui en ont pas. Attends, RTC. Ouais. C'est ça. Nous vraiment on n'a aucun retard, hein. Donc il n'y en a pas apparemment sur le OBS. Alors ça je ne sais pas comment c'est possible. On va essayer de voir après peut-être si... Parce que nous on l'a pas ici le décalage. Ah, il y en a qui disent pas de retard, il y en a qui disent retard, il va falloir vous mettre d'accord. En tout cas, le principe, donc tu vois, c'est que tu as des rounds, et quand tu gagnes un round, on te remet tous tes PV. Ouais, donc, en haut à gauche. Voilà, en haut à gauche, on te remet tous tes points de vie. Tu as 3 vies, donc tu as 3 vies pour passer le boss. En gros, il faut imaginer vraiment ça comme des rounds, comme un jeu de baston assez classique. Et donc voilà, là, il faut que tu fasses A, voilà. Ah, il y a une petite latence. Alors, c'est pas une latence. Je vais t'expliquer ça. Les gens, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. Garde le bouton appuyé. En fait, c'est quand tu relâches que ça se déclenche le dash. D'accord ? Donc, okay. Une fois que tu as compris ça, tu sais quand déclencher ton dash. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Vu que le dash, tu peux le mesurer, en fait. Tu peux choisir la quantité d'esquive que tu vas faire, la distance que tu vas parcourir. Et tente d'appuyer vraiment le plus court possible. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Tu peux vraiment faire des tout petits dashs et des très grands dashs. S'il y a du retard avec le son du jeu, mais pas la cam, d'accord. Je comprends pas du tout pourquoi. C'est OBS Studio qui trip là. Je vais essayer de. On va peut-être essayer de le relancer après le combat de Killai sur le premier boss. Et on verra si ça marche mieux. On fera un autre type de capture peut-être, hein, une capture d'écran. De juste cet écran là, sans passer par la game capture qui a l'air un peu capricieuse. Voilà, tu as bien compris le principe. Alors je vais donner un autre indice que tu ne sais pas pour l'instant normalement. Tu peux charger ton épée avec le bouton de tir, donc avec le deuxième joystick. Ton épée? Ouais, tu vois, ton épée là tu peux la charger, tu feras beaucoup plus de dégâts. Donc ça c'est ton coup chargé de base. Ouais. Mais regarde, quand tu es dans cette phase là, il y a deux phases distinctes de combat, donc tu as une phase de loin et une phase de près. Ah, merci pour le subscribe au Namek, qui est 14 mois d'affilée. 14 mois d'affilée, c'est beau le Namek, merci beaucoup. Donc tu vois que quand tu es dans ces phases de près, tu peux utiliser ton joystick droit pour charger ton épée. Et là tu vas faire des dégâts beaucoup plus forts parce que tu as le temps de charger ton épée. Ah oui, d'accord, c'est que dans les phases... Là tu peux pas le faire, là tu tires en fait. Ouais. Alors on peut y jouer au clavier souris, et honnêtement on nous a demandé, The Game Bakers nous a demandé qu'est-ce que vous metteriez comme fonction pour jouer au jeu en mode clavier souris, et c'est très difficile. Je ne peux que vous inviter à jouer vraiment à la manette, parce que c'est vraiment 10 fois plus agréable à la manette quoi. Mais vous pouvez essayer clavier souris, mais même nous, on a travaillé quand même pas mal de temps dessus avec Prosper, on n'a pas trouvé de bonne façon de configurer clavier souris pour jouer au jeu, c'est vraiment pas agréable. Et on a considéré que le jeu devait se jouer à la manette, quoi. Et on est désolé, mais il n'y avait vraiment pas... Enfin, le gameplay du jeu est tellement pas adapté. Très bien joué, franchement, tu joues bien, mais ça n'étonne pas toi, mais... Ah, sauf que quand tu as l'épée chargée, les boss n'aiment pas l'attaque directe. Bah oui, bah, c'est normal. De toute façon, les boss, ils aiment pas les attaques directes, de toute façon, il faut apprendre.
Voilà. Donc là, tu peux la charger. Par exemple, toi, pendant qu'il est en l'air, tu fais n'importe quoi. Donc là, tu peux contrer. Donc tu as vu aussi hein, les mécaniques de pari. Donc quand tu récupères un peu d'énergie, quand tu réussis un pari. Avec B, là ? Avec B, ouais. D'accord. Voilà, là, ça te remet un quart de carreau. Alors, faut en réussir beaucoup. Mais ça marche très bien. Et c'est là où tu dis que tu peux charger. Voilà. Et voilà, là, tu vas faire très très mal. Par contre, tu prends un coup, tu le perds. Mais t'as vu comment c'est fort ? T'as le faire une fois. Ouais, et ton épée reste chargée, mais d'accord. Si tu prends un coup, tu le perds. Donc, par contre, tu fais beaucoup plus de dégâts. Je crois que ça triple tes dégâts. Hein. C'est, donc, faut le faire tout le temps, en gros, parce que bien joué. Quoi. Effectivement, charger l'épée, c'est vraiment intéressant. C'est une mécanique qui n'est pas expliquée lors du premier boss, mais que tu apprends un peu par toi. Alors là, voilà, l'épée. Ouais, c'est un peu dommage. Elles n'étaient pas à l'origine. Ils ont été rajoutés et moi je suis pas convaincu non plus par ça. Je pense que quand Emmerich viendra, parce que là je fais un stream un peu test aussi pour moi, pour la venue de Emmerich Toa, donc il viendra en stream avec moi sur la Blind Race qu'on organise que de CDV, Twin et Karim les uns contre les autres mercredi prochain, le 13 à 21h. Donc je vous invite à venir, ça risque d'être vraiment sympa. Et on pourra discuter avec Emmerich Toa de ce choix d'avoir mis des mini QTE. Il y en a très peu, hein, il y en a extrêmement peu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été rajoutés par rapport aux versions que moi j'ai eu de test d'alpha, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'aide sur l'auto-visé, effectivement. Ouais. Heureusement, parce qu'on est au joystick, c'est quand même pas. Ouais, les QTE sont complètement sculptés, effectivement. Je sais pas. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, là tu l'as perdu. Alors, est-ce que tu vas perdre une vie pour tes premiers boss ? Oui, ils peuvent être utiles, hein, mais effectivement, ça fait mal. Et il perd encore un carreau d'énergie, plus que deux. Non, le fait que les QTE soient utiles dans le gameplay, je suis d'accord. Le fait, c'est que ce soit un QTE qui déclenche cette phase-là. Tu pourrais imaginer autre chose qu'un QTE pour déclencher cette phase, où le boss tombe et machin. Après, bon, voilà, hein, c'est... J'aimerais en parler avec Emmerich. On lui posera la question, je pense que c'est une bonne idée de lui en parler. Et puis de voir aussi un peu la réception du mode speedrun. Puis on va parler aussi de tout ce qui est développement d'un jeu indé en fait. J'ai envie qu'on puisse parler de cette aventure. Hein. Pour eux, c'est 3 ou 4 ans de travail, un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, un financement aidé par le CNC, une promotion à l'international. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir aborder avec qui vont être intéressantes. Et puis vous aurez l'occasion de gagner le jeu, de gagner l'OST du jeu. Et je vais essayer de le convaincre de nous faire gagner des vinyles de l'OST du jeu. Ce sera un peu le gros lot du stream. Je pense que ça durera 2 à 3 heures, on verra à quelle vitesse apprennent nos petits runners, parce qu'ils sont en blind race, c'est un peu comme fait Clément là. Mais bon, là, lui, c'est un grand professionnel du jeu vidéo. Normalement, il va finir le jeu sans mourir une seule fois, il passera directement en mode speedrun. David Tifa a quasiment fait ça. Hein. Cet homme est fou, mais tout de même. Alors, le jeu n'est pas sur Xbox parce qu'ils avaient un contrat d'exclusivité en particulier avec Sony, je pense. Je suis pas sûr qu'Emmerich pourra répondre à ce genre de questions parce que on va dire que le côté financier du jeu ne le concerne pas, il est game designer. C'est une autre personne qui s'occupait de ce qui est la partie commerciale et vente. On peut toujours imaginer, hein, même dans le jeu indé, qu'il y a un principe de développeur-éditeur. Et donc, on va dire que l'éditeur, même si c'est en partie eux-mêmes, c'est une autre personne au sein de l'équipe. Et donc, voilà, les choix, on va dire, de cet ordre-là n'appartenaient pas aux développeurs du jeu. En game designer principal du jeu. Les musiques défoncent effectivement. Donc hier il y avait un concert à Paris, hein, de tous les musiciens qui passaient. J'étais invité mais pas du tout le temps d'y aller et de m'amuser avec eux. J'aurais bien voulu avec Prosper y aller mais et voilà. Ouais. Alors tu peux aussi le faire avec, et ça c'est un truc qu'on a rajouté avec Prosper, tu peux le faire avec la gâchette de gauche. Tu peux, voilà. Ah. Et tu vois pourquoi ? Ça te permet de continuer de tirer tout en dashant. Parce que comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un truc qu'on a rajouté avec Prosper. Donc,
C'est une proposition qu'on a faite parce que tu peux pas mapper tes boutons. Alors les raisons pour lesquelles on peut pas mapper les boutons, c'est en particulier aussi à cause du mode speedrun. Parce qu'on voulait pas que les gens puissent spammer des boutons pour tirer par exemple. On a corrigé plein de petits bugs, on a fait aussi un peu de ce qu'on appelle le QA testing, donc du quality insurance, et c'est de vérifier si le jeu fonctionne bien, et on a testé pas mal de choses et on a fait aussi un petit peu d'aide au gameplay quoi. Allez, là il est un peu casse-couille. Voilà, c'est bien ça. Allez, on le finit. Tu veux que je regarde avec le bot pour faire un tirage au sort ou tu fais ça avec Juno pour que tu regardes tout seul avec quelqu'un d'autre? Tirage au sort pourquoi? Je sais que c'est pas pour tout de suite mais en prévision. Ce sera pas du tirage au sort, hein. Ce sera, je sais pas comment on va faire exactement les gains, mais ça peut être effectivement intéressant. J'imagine que le timer s'arrête pas pendant les petites scènes, c'est pas pratique non plus. le timer s'arrête dès qu'on a plus la possibilité de jouer. Donc effectivement il s'arrête assez souvent, et puis cette séquence là par exemple elle est plus du tout en mode speedrun. C'est pas bête, Crane, de penser à un système de tirage au sort. Peut-être qu'on fera ça parmi toutes les bonnes réponses, mais c'est un peu difficile à mettre en place. Je pense que ça risque d'être très arbitraire, les clés. Hein. Ça va pas du tout homologué par un ici. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est du business book, voilà. Homologué. On va peut-être tester un peu de resynchro le son. C'est entre deux phases. Ouais. Bah nous on l'a pas, hein, ça c'est sûr, mais si tout le monde en parle, je veux bien vous croire. Alors est-ce que si juste on fait ça, on va tester de rajouter un window capture. Donc, carrément, on peut pas faire de... Il n'y a plus de screen capture? Ah si, display? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est peut-être... Ok. Oui, c'est celui-là. Ok. Je fais un peu de... Je reviens... Ah, c'est chiant. Il va falloir que je fasse un petit peu de manipulation à la main du jeu. Pour ça, il va falloir le mettre ici. Voilà, vous allez nous dire si c'est... Dites-nous si c'est mieux. On a changé de technologie pour capturer l'écran. Ouais, mais normalement, il n'y a pas de délai qui se coule. Est-ce que c'est mieux? Et je me rends compte que j'ai pas mis de transparence sur le chat non plus. Donc, je vais aller régler ça, parce que vous ne voyez pas à travers notre ami... je sais pas où ça se règle, ça, d'ailleurs, maintenant. C'est aussi un filtre, je pense. Ouais, je sais pas. La transparence... Avant, tu pouvais régler le niveau d'affichage, en fait, de transparence. Bah, c'est pas un color key ou un chroma key aussi, non? Je sais pas. Color correction. Non. Ah si, opacity. C'est peut-être pas assez. Bon, on va tester. Voilà, ça, vous pouvez voir un peu à travers le chat, c'est vraiment pas plus mal. Si j'étais dans un RPG, je craquerais pour voir si un coffre. Mais j'ai pas le temps. De quoi? Je dis si j'étais dans un RPG, je backtrackerais pour voir s'il y avait un coffre. Un peu la Bayonetta. Bah, un peu à tous les. Pas mal de RPG. Mais bon, je vais pas le faire. Je pense qu'il n'y a pas de coffre. Quoique. Ouais, non, je te le dis, c'est vraiment un boss rush. Tu peux encore appuyer sur A et le bonhomme va se déplacer tout seul. Moi, je fais parce que franchement, c'est vraiment des cinématiques plus qu'autre chose. Bah, je trouve ça toujours un peu sympa d'avoir un minimum de contrôle pendant la cinématique. Oui, bien sûr, c'est tout, oui, c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait beaucoup, donc... Est-ce que c'est mieux le décalage, alors? Parce que nous, on en a toujours pas ici, hein, donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je crois pas avoir mis un délai ou quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, ça vient d'OBS, hein, le jeu marche très très bien, vous inquiétez pas. Thank you.
pour toi, tout va bien. Mais là, il n'y a que de la musique, alors ça ne va pas être facile à voir. Vous le verrez vraiment dans les phases de combat. Une prison dans une prison. Parce qu'elle est folle. J'aime beaucoup ce deuxième boss. Non, il y a toujours ce problème. Bon, je suis vraiment désolé pour le truc, je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est très étonnant. Parce que nous, on l'a pas. Sauf s'il est configuré dans OBS, mais pourquoi il serait par défaut, il y aurait un délai. Bah, on peut en vérifier. Hein. De toute façon, c'est un peu un stream de test de ça aussi. Je voulais dire, tu peux en forcer un. Oui, je peux en forcer un, effectivement. Mais attendez, on va mettre le game capture. Parce que... Bah, ouais. Mais je sais même pas comment on fait pour ça, pour le coup. Bah, je sais pas par source, je pense, c'est en général. Alors, il y a des filtres qu'on peut mettre sur le son. Gain et Noise Gate, ouais, d'accord, ça va pas nous aider. Je pense que c'est dans les propriétés, c'est... mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut... Ah, peut-être qu'il va falloir reset le stream, tu penses? Parce que le son est en retard ou en avance? Parce que je peux pas le mettre plus tôt, je peux que le delay. Je peux pas l'accélérer. Si, tu veux pas. Je vois. Non, output, non. Peut-être. Bah là, j'ai le desktop. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est, non, c'est ça, c'est le desktop audio. Mais regarde dans. Video capture device, ça c'est ma caméra. Les mic, c'est nous. Regarde dans output, je pense. Dans cette... Ouais, non, il n'y a rien. Ah, audio. Bah, c'est là où non, dans Output, il y a un onglet audio. Ouais, c'est juste le bitrate en fait. Ouais. Bah écoutez, je ne sais pas. C'était pas là, dans Avancé ? Là que tu viens de fermer, il me semble. À avoir vu. Stream Delay. Ouais, c'est juste le délai. Ouais. Ouais, c'est pour pouvoir. Ouais, mais ça, c'est quand tu veux pas que. Quand tu veux avoir un délai supérieur à celui de Twitch. Ben, je ne sais pas, les petits amis. je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je m'avoue un peu vaincu. Mais le dev, je stream pas avec un dev d'OBS. J'ai pas le problème ici. Hein. Le son du jeu marche très bien. C'est un problème d'OBS. Alors je pense que le développeur de The Fury, ben, j'espère, va voir. Ah, bonsoir Clear, comment ça va? Ah, c'est le son que vous entendez dans nos micros? Attendez, si je coupe les micros, est-ce que vous avez encore le problème? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Quand je coupe les micros, ça change tout ou pas? Ah! Vous voulez que je mette le jeu peut-être plus fort? Ouais. Dans OBS, je parle. Moins fort ici. Parce que le jeu est à fond, en fait. Je m'aperçois que de toute façon, le jeu est à fond. Dans le desktop. Ah, merci beaucoup pour Hydrobobon, le restream de la GDQ est décédé, alors je viens. Ah bah très bien. Ah bah s'il y a toute la GDQ qui vient, on va bien rigoler, Hydro. Et t'as souscrit 16 mois d'affilée, Hydro. C'est bon, c'est bon. Oui, je sais très bien que Genomectra parlait d'un dev du jeu. Et pas d'OBS. Et je dis bien que, effectivement, vu que le jeu marche très bien, le dev du jeu ne peut rien faire pour un problème d'OBS. Bah écoutez, ouais, en fait, c'est très bien. Faites cette guerre. Qui sera le plus long à s'inscrire à cette chaîne? Je vais voir au mois d'août. Je vais peut-être essayer de faire tout Dark Souls 3 en stream.
Ça vous plairait, ça, non? Ça vous saucerait, non? Je vais avoir un peu de temps au mois d'août, là, donc... Ah, le petit perso en slip qui danse, hein. Grand succès de stream. On peut pas savoir quand le son, on peut pas se rendre compte que pour les phases de combat. Bye. Tu disais que c'était un gameplay à 3 boutons, moi j'en compte au moins 5 là pour l'instant. Non. Bah il y a A, B, X, L, L1 et le joystick droit qui permet de tirer. Alors L1 c'est la même chose que A. Hein. R1. Ah oui, attends. R1 par contre c'est le fait de charger ça qui... L2. R2. Ouais ouais. C'est vrai qu'effectivement il y a R2 qui permet de charger son tir. Donc c'est 4. Bah avec le tir ça fait 5. Oui bah c'est pas vraiment un bouton, bah, c'est un twin stick shooter. Je veux dire c'est autant du contrôle que du tir quoi. Ça veut dire que oui. Je jouerai au hurling, d'accord. Est-ce que c'est mieux le son? J'entends qu'il aille que de l'oreille gauche. Ah, si on est... Alors, c'est possible. On s'est amusé avec mon zoom. Et pourtant, 3 et 4 sont ensemble et compressés. Enfin, s'il y a vraiment un problème, je peux passer sur deux autres entrées qui nous permettraient d'avoir ça séparément. Et oui, moi, mon son, vu que je pisse dans l'autre micro, forcément, de toute façon, vous m'entendez relativement bien. Ah d'accord, la ligne bleue c'est... Ouais, alors attendez. Faut pas aller plus Je ne sais pas quoi vous dire. 1-2-1-2-1-2. Vas-y qu'il aille, parle un peu. 1-2-1-2-1-2, allô. Est-ce que tu m'entends, Léo? Tout à fait. Je pense qu'on est pas mal, mais voilà. Il y a quelques noms à la fin, j'en ai crédit un certain, Ideo en fait partie, what the fuck. Bon, on se rend bien compte qu'ils aiment les sympathos sur les stations, j'ai envie de dire. Ah, tu sais pas pourquoi il y a des Kojima dans les bah il y a des il y a des petites blagues qui sont prises à Kojima quoi. Ah voilà, faut se retrouver sur le jeu effectivement. Mais c'est vrai que c'était un peu un stream de test hein, donc j'assume le côté stream de test. Je vais regarder quand même si je peux faire quelque chose pour le son. Mais ça c'est un coup dur. Puis ça va, tu t'en sors. À peu près. Ouais. Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais c'est intéressant d'avoir les patterns, différents types d'attaques. Après... Pour l'instant, non, c'est pas trop dur. Ça va. Faut arriver à comprendre, en fait, que tu peux taper... le boss, quand est-ce que tu peux pas le taper,
Ah, il a une scie maintenant. J'aime pas trop ça. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment Sylvain va faire une Ah oui, après t'as une phase. T'as d'abord une phase de loin et après une phase de près. Ah, j'ai peut-être une idée pour que... Ah non, on va se retrouver plus de la gauche ou à droite. Ce sera toujours le même problème en fait. Bon, on va rester comme ça les amis, j'étudie le problème plus en détail. Ah, les patterns deviennent souvent de plus en plus compliqués, hein. C'est un peu le projet. Alors quand tu tires les boules jaunes, c'est le même bruit que les boss de fin de mécanique dans l'espace. Hein ? Il est pas content. Alors tu peux l'énerver avec les petites... t'as vu ? T'as une taunt ? Voilà ça. Non, regarde les carrés là au sol. Ça là. Ouais, les dalles là. En fait, ça va, vu qu'il est aveugle un peu, il vient taper la dalle après, tu peux l'attendre, il tente des pièges presque. Non mais il fuit là. Ouais, bah oui, là, il dans le temps, voilà quoi. Ah et toi t'es comme ça quoi. Salut Pilou, comment ça va? Du coup attention, ça va sonner très con, mais je trouve que ça chouette que les patterns s'étoffent en fonction de la difficulté choisie. Effectivement. Effectivement, il y a de plus en plus de patterns. En fait, le boss a de plus en plus de carrés, on va dire, de points de vie, de round, en fonction du mode de difficulté que vous avez choisi. Alors, il y a des gens qui voient une inspiration d'Hyper Light Drifter. Ah. Je suis pas tellement d'accord, honnêtement. C'est pas le même genre de jeu. Hein. Quand on dit joue, c'est clairement pas le cas, en fait. Mais je pense qu'il parlait pas du gameplay, mais du, on va dire, de l'esthétique, un peu du choix des couleurs. Ouais, il n'y a que ça, alors. Parce que c'est un jeu en pixel art. Là, c'est un jeu en 3D, c'est le shadé. Donc, et puis surtout, c'est que le développement du jeu a démarré bien avant Hyper Light Drifter qui sort, tu vois. Ils ne se connaissaient pas forcément, les développeurs. Après, il y a toujours des modes, on va dire, ou des choses dans le genre. Donc, les influences sont les mêmes parce qu'ils aiment les mêmes choses. Mais de là à dire que le jeu a pompé sur Hyper Light Drifter, c'est... On en parlera sûrement avec le développeur du jeu. Je pense que c'est une question qui, où il y aura une réponse encore plus simple que moi. Mais effectivement, le Namek, je suis assez d'accord. Je trouve que ça ressemble plus à Adibou que à Hyper Light Drifter. Surtout les phases de boss hein, d'Adibou. Ah, t'as vu comment ça fait mal les coups chargés? Ouais, il y aura un live avec le dev, effectivement, qui se coule. Alors ça, Afro Samurai, c'est normal, vu que c'est le designer d'Afro Samurai qui a fait le jeu, qui a fait les boss. Donc là, oui, effectivement, c'est obligatoire. C'est quoi cette caméra? C'est vrai que les gens pensent que c'est DV Brothermain, ils ont la même voix, donc... Hyper Light Drifter est plus riche. C'est pas du tout le même jeu, c'est très difficile à comparer, je trouve. Ah, j'ai été sûr. Ah, mais t'as réussi. Ah ouais? Ouais, t'es fort. Oui, j'ai bien compris, Hydro. Après, je suis même pas sûr qu'il y en ait une, en fait. C'est que les gens le comparent beaucoup à Hyper Light Drifter, et je crois qu'il y a vraiment pas de lien... À part peut-être un amour des choses, des mêmes jeux ou des mêmes types de mécaniques ou des mêmes couleurs, mais ça c'est très difficile de... C'est pas du tout un boss rush, c'est pas du tout... C'est vraiment, si vous jouez aux deux jeux, vous verrez bien que c'est pas du tout le même jeu, quoi. J'ai un peu joué Hyper Light Drifter et c'est pas du tout Fury, quoi. Et même les couleurs, enfin regardez, allez voir une image de Hyper Light Drifter, c'est du pixel art, quoi. Après oui, c'est un genre de beat'em all, quoi. Mais c'est donc, ça ressemble tout autant à ça qu'à Street of Rage, quoi.
c'était pas The Street of Rage s'il y avait des patterns avec des boules, quoi. C'est... En tout cas, tu t'en sors vraiment pas mal, Clément. Parce que c'est pas facile, et pour l'instant, bah, t'as pas perdu complètement contre un boss. Et tu maîtrises déjà bien le dash. Alors, il n'y a pas d'autolock, faut viser manuellement, mais on va dire qu'il y a une assistance à la visée. Salut Derzu Wazala. Est-ce qu'il y a une touche pour appeler les flics dans Fury? Ça manque. Je peux en parler à Emmerich. Franchement, je pense que j'en parlerai à Emmerich en lui disant « Mec, j'ai eu une idée dans mon chat. Une touche pour appeler les flics qui tireraient sur le boss pour lui faire perdre la moitié de ses points de vie. » Je pense que ça va beaucoup, beaucoup lui plaire. C'est vrai que ce Dolès, elle est pas mal. Ah oui, tu peux envoyer les grosses boules avec le pari. C'est vrai. Tu peux tout renvoyer avec le pari. La charge ? Ça. Ouais, avec, non, avec le pari. Le fait de contrer. Ah, B ? Ouais. C'est un pari, en fait. C'est-à-dire que tu peux tout contrer. Dis-toi que ça marche comme 3.3, on a voulu un peu comme ça. Tu peux tout contrer dans le jeu. Après, faut réussir. Et ça marche comme 3.3, c'est-à-dire que si jamais tu rates ton pari, tu ne peux, t'as un cooldown, si tu le rates pas, t'en as pas. Mmh. Donc voilà, c'est... Alors, quand on a testé le jeu avec Prosper, nous on avait accès au 49.3. On pouvait sauter des boss, sauter des patterns, on pouvait se mettre immortel, ralentir le jeu, on avait plein de trucs pour tester le jeu. Assez rigolo quand on était sur l'alpha. Et c'était assez utile parce qu'on jouait quasiment qu'avec la difficulté maximale du jeu, qui est le Furieur. Parce que c'est un peu comme ça que ça a été designé, je pense on en reparlera avec Emmerich. Mais le jeu, en gros, vous faites le jeu au niveau maximal de difficulté et vous l'ajustez vers le bas pour créer les autres niveaux de difficulté, en fait. Ah là, ça va être chaud. Faut pas se faire toucher, là. Ça va être très dur à parier, cette phase. Oh ouais. Le PMU, le pari mutuel unidirectionnel, si tu veux, Scryne. Je vois bien que le challenge a l'air infini. 8 heures, c'est cool. 8 heures pour finir le jeu, ça me paraît normal. Le mode speedrun, effectivement, si vous voulez devenir champion du monde, va vous demander beaucoup plus de temps. Et je trouve que ça apporte vraiment une replay value assez intéressante au jeu. Ah oui, il y a le dash aussi sur RL. Je pense que je préfère avec L2. C'est pour ça qu'on les a mis là. À la base, ils y étaient pas. C'est Prosper et moi qui avons proposé de rajouter des boutons. Un bouton A pour un dash, ouais. Voilà, c'est le... Déjà, il est là. Il n'aurait pas été là sans nous, je pense. Ou il s'en serait peut-être aperçu sans nous. Hein. Il y aurait peut-être eu des taux de playtesteurs à s'en plaindre. Mais nous, on voulait carrément pouvoir choisir les touches qu'on voulait, quoi. Mais je te dis, ça a posé problème par rapport au fait de mettre le bouton de tir, par exemple, sur une touche. Voilà, ça devenait compliqué. Donc on a préféré donner l'option de dire on va utiliser tous les boutons qu'on a disponibles sur la manette et on va les remapper pour que ce soit... Et ça te permet surtout de continuer de tirer tout en dashant ou en pariant. Et ça, c'est cool. Par contre, du coup, c'est moins intuitif le fait de lâcher le bouton avec une gâchette plutôt qu'avec un bouton. Effectivement. Donc c'est un peu, voilà, entre les deux... Donc, du coup, j'hésite. T'hésites à choisir... Ouais. Ça, c'est... Alors, c'est très difficile de dire. En moyenne, les boss peuvent durer de... C'est très différent. Le record du monde actuellement sur PS4, celui que j'ai vu hier soir, parce que j'ai pas encore accès au serveur pour aller voir tout le temps les records du monde ou avoir un... Je pense que je vais en parler pour qu'on ait un warning sur le Twitter de The Game Bakers pour les records du monde qui tombent PC ou PS4, mais on est aux alentours de 41 minutes sur PS4 et je pense qu'on est un peu dans les mêmes temps sur PC. Alors c'est pas compliqué technologiquement de remapper les boutons, c'est compliqué en termes de gameplay de remapper les boutons. Sur les jeux Nintendo, en général, t'as pas l'option de remappage de boutons, c'est pas parce que la Wii U le supporte pas. Hein. C'est parce qu'ils veulent que tu expérimentes leur jeu d'une certaine manière. Et Fury, bah, c'est la même philosophie, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai sorti comme anglicisme?
Merde, faut que je file des bisous à tous. Bon live et bon mode speedrun. Merci Genomectra, à bientôt. Le stream est mort en poule, alors je viens ici. Bah écoute, va chercher les autres, hein. Ah, et j'ai des culs de retour, on va perdre la moitié de nos viewers. Non, restez, c'est bien, on fait, c'est presque un speedrun. Il joue bien Clément, donc c'est comme un speedrun. Donc là, tu es mort contre le boss. Donc tu as eu un petit continue. Je crois que le jeu est 1080p, 60 fps sur PS4. Le seul truc, c'est qu'apparemment, il met la console bien à genoux. Et qu'elle chauffe pas mal. Mais bon, ça... Bah oui, parions. Bah, c'est français, hein. Le fait de parier, c'est français, hein. Salut Bob Lobo. 0,42. Il y a un mode infini de prévu, genre un boss qui a accès à tous les patterns de tous les boss du jeu et qui en change alternativement. Le but étant d'aller plus loin. C'est pas con, Pancratos. Pour l'instant. Ah, c'est pas paré. C'est un pari. C'est pas juste. Tu tentes ta chance. On parie avec le PMU, c'est ça? Sinon, c'est une parade, effectivement. Bah, on en a parlé, hein, du remapping des boutons. Voilà. C'est leur choix. Nous, on n'était que des conseillers, on n'était que des experts. J'ai pas dit qu'on n'avait pas le dernier mot, si vous voulez, sur les choix du jeu. D'ailleurs, on avait pensé à plein d'autres choses, hein, mais j'en reparlerai dans l'autre stream, mais on avait pensé que le boss rush se présente comme un Megaman. En gros, tu choisis le boss que tu veux faire. Et comme ça aurait pu optimiser les speedruns, parce que les gens auraient pu commencer par le boss le plus dur, ou qu'ils considèrent le plus dur. Ouais. Tu vois. Mais bon, voilà, ça a pas... Alors ça, c'était super chaud, mais ça a demandé de faire un lobby, tu vois, un truc comme ça, un machin en 3D à créer, une arène, un machin, et ils ont fait, non, c'est trop long, le jeu doit sortir, et voilà, il y a des priorités autres, voilà. Mais le jeu aura des mises à jour, s'il marche, de toute façon. Donc voilà. Alors, autant pour moi, par contre, ça s'écrit pas autant, hein, c'est autant, c'est en un seul mot. Ça, c'est vrai, en plus, hein. Allez voir les vidéos de Linguisticae sur Autant pour moi et Autant pour moi, et vous allez voir que c'est vraiment absurde. Pourquoi est-ce qu'on écrit autant comme ça pour moi? AUTEMPS, c'est complètement, complètement arbitraire, et on ne sait même pas pourquoi est-ce que cette norme-là qui a été choisie plutôt qu'une autre. J'espère qu'il va marcher, effectivement, le jeu le mérite, il a des bonnes notes, il est plutôt bien accueilli. Je trouve que ce qui est dommage, mais ça c'est nos amis les journalistes, hein, ils testent pas les jeux au bout, et donc personne n'a testé quasiment le mode speedrun. Parce qu'ils ont pas le temps, je pense qu'ils ont galéré déjà à finir le jeu, et j'ai pas vu beaucoup de journalistes parler du mode speedrun. C'est un plus sur GameCube, mais ils en parlent pas dans le test du jeu. Voilà, c'est un peu dommage, parce que je pense que pour une fois qu'il y en a un qui existe et qu'il est bien fait, ça aurait mérité peut-être d'en parler un petit peu plus, surtout dans un jeu qui s'y prête bien. Ah, très bien là, j'aime beaucoup ton autant pour toi. Ah, le autant pour moi de Dynamec est pas mal aussi. Les deux orthographes sont acceptées, mais je peux t'assurer que si tu tombes sur des grammaires nazis et que t'écris autant A-U-T-A-N-T, ils vont te taper dessus. Alors qu'ils ont tort, mais... Après, bon, on dit que c'est l'usage qui fait la règle. Et justement, et l'usage, je dirais plutôt autant dans le sens, donc pour le sens qu'on utilise. Parce que tu vois, le autant A-U-T-A-M-P-S, T-E-M-P-S, c'est par rapport à un terme de militaire qui voulait dire autant pour moi, par rapport au temps que tu tapes. Alors que d'ailleurs, il n'y a aucune preuve de ça, hein, de cette origine-là, dans un bouquin où ça a été écrit. Et dans le même bouquin, il y a autant pour moi écrit A-U-T-A-N-T. Donc tu vois, même lui, il hésitait, l'auteur, donc c'est assez étonnant. Et par contre, je trouve que le sens est beaucoup plus proche de A-U-T-A-N-T, autant pour moi. Enfin, c'est une expression de toute façon, mais je trouve que c'est quand même plus clair que autant pour moi où c'est AUTMPS. D'ailleurs, on sait même pas si c'est le climat ou le fait que le temps s'écoule. Enfin, peut-être qu'en fait il parlait du climat. Oui, ben on n'arrive pas à rectifier ça, mais la gaune ça vient d'OBS. Alors je pourrais couper, remettre un autre OBS. J'aimerais bien, mais ça vient d'OBS, pas du tout du jeu.
Nous, on n'a pas de décalage, donc voilà. À l'esprit samouraï japonais, ouais, pour un jeu de Montpellier, c'est pas mal fait, ouais, je trouve, effectivement. Je suis désolé, mais la gonne, on ne sait pas du tout, ça vient d'OBS Studio que je teste, là, je suis un peu en expérience sur le... Et ça vient de la, du, probablement du game capture de, d'OBS, je ne m'explique pas ça autrement. J'en suis complètement désolé, mais je sais pas. Là, pour l'instant, je peux tenter un reboot du desktop audio si jamais qu'il aille bas le boss. Et là, il est bien, bien parti. Dernière phase, va falloir résister. Attention. Ah, il est pas content. Non, hein. Ouais, là, on va. Ah, il donne tout ce qu'il a là. Ça fait penser à la dernière phase de, des jeux de Treasure comme Radiant Silvergun. Ou... Ah, bah, de toute façon, c'est une inspiration du Die My Crew. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que t'es résiste, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on avait ça dans Ikaruga aussi, que tu as ouais. Bien connu. Tu joues encore un peu ou t'as pas rejoué depuis le TAS? Loud, non. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais il fait chaud ici. J'ai même un bon cuisine. Ah, faire un poêle tout à l'heure. En fait, là, vous aurez peut-être les bruits de la rue. Voilà. Hein, mais bah, c'est bien aussi les bruits de la rue. Exactement, Mouix, on a été embauché en tant que consultant avec Prosper. Prosper renaît, et puis moi je faisais plutôt l'interaction, les discussions avec les développeurs. Prosper faisait les retours utilisateurs, parce que moi le problème c'est que je suis pas speedrunner. Donc je pouvais pas tester aussi bien que Prosper, et Prosper a fini le jeu très vite d'ailleurs. Et ça a été très agréable de travailler avec Prosper et avec eux. Globalement on s'est très bien entendu, on faisait des petites réunions sur Skype. Et puis on leur disait, bah voilà, on vous a noté ça, on faisait des vidéos, toutes les parties qu'on faisait étaient enregistrées en vidéo. Et puis on partageait, ben voilà, les vidéos en disant, bah regardez ici, alors on a enlevé beaucoup de safe spots. Il y avait un moyen de. Il y avait un quick kill sur le dernier boss qu'on a enlevé. Voilà. La rue, c'est un nouveau du Nesblog, exactement, Screen. Le reste du temps, il faut essayer d'anticiper le déplacement du boss pour outputer un max de dommages. Et c'est moi qui fais des anglicismes dégueulasses. Le prochain combat est particulièrement galère. Ah oui, c'est vrai, le troisième boss. C'est lui d'ailleurs qui a une référence à Metal Gear Solid en fait. Bah, de manière générale, ça prend beaucoup à l'esthétique, c'est vrai. Ça me fait penser au combat contre le Cyborg Ninja dans MGS 1. Ah oui. Où t'as plusieurs phases, et puis t'as 3 ou 4 phases, je sais plus exactement. Une fois il est invisible, il faut le trouver. Ensuite il saute un peu partout. Mais c'est sympa. Ouais. Mais je trouve que les cinématiques sont très bien réalisées. J'aime beaucoup l'aspect esthétique du jeu. Ils ont un bon accent japonais à Montpellier, effectivement. Oh là là, on a un très bon accent japonais, là. C'est marrant que le jeu, en fait, te mette pas les bons accents quand tu changes de langue dans le jeu. Mais tu vois, toutes ces petites cinématiques, l'ambiance est vraiment très réussie. Bon, le personnage a une anime un peu, un peu légère, on va dire. Hein. Quand il monte des marches, il se met sur le côté, il sait pas prendre des marches normalement. Mais c'est pas vraiment l'important dans le jeu. Je pense qu'il fallait mieux peaufiner le gameplay, les patterns et la difficulté plutôt que de rendre l'animation parfaite de ces phases-là, qui sont des cinématiques de toute façon, quoi. Heureusement que j'ai pas fait les doublages. Je le regrette un peu. Ils me l'ont pas proposé, mais ils savaient pas que je voulais en faire. C'est sur un autre jeu peut-être que je vais faire des doublages. A plus, Adrien. Salut. Après, dans la difficulté, ça me fait un peu penser à des jeux comme Devil May Cry, où contre les boss, tu vas de tous les cas mourir ou
rapidement tu vas mourir parce que tu connais pas les patterns et il faut que tu les connaisses vraiment très bien pour pouvoir les esquiver, pour pouvoir les utiliser. Devil May Cry, ça m'a un jeu qui m'a pas marqué parce que dès le premier boss, tu te fais défoncer, mais vraiment, tu te fais vraiment défoncer. Et j'ai l'impression que la courbe de difficulté est augmentée pas trop d'ailleurs, c'est toujours un peu dur. Mais voilà, tu commences à comprendre comment marche le jeu et du coup, tu y arrives mieux comme ça plutôt que parce que les boss deviennent plus faciles ou plus durs eux-mêmes. Quoi. C'est ta connaissance du jeu qui s'améliore. Et... Bah oui, c'est pour ça qu'il est un peu comparé aussi à Dark Souls pour le coup. Parce que. Ah oui, d'accord. C'est basé aussi sur la. On va dire que l'information, c'est aussi important que le skill. Savoir ce qui va se passer, bah, c'est une énorme capacité dans le jeu. No More Heroes, mais qu'avec des boss, c'est vrai, tout autant que d'autres jeux. Le jeu est sorti le 5 juillet. Il est disponible sur PC, sur Steam à 25€. Il est gratuit sur le PS Plus de la PS4. Donc si vous voulez jouer gratuitement et que vous avez une PS4, bah, vous pouvez jouer tout de suite là. Quand tu dis qu'il est gratuit pendant un mois, c'est-à-dire après un mois, tu peux plus y jouer Je pense que si. C'est juste que si tu. Après, il sera payant sur le PS Plus. Si tu l'as pas déjà. Si tu l'as pas déjà, je pense que c'est ça qui se passe. Ouais, d'accord. A tout à l'heure pour le test bloc, Mouix. A tout. Oula, Châtillon du 35, ça pète là, Clear. S'il y a des gens du 35 qui sont là, surtout de Châtillon. Je sais pas où c'est. C'est vers Vitré. Ouais, je trouve que les transitions. Alors après, heureusement qu'on les a enlevés du mode speedrun, hein, parce que ça a été dur, hein, ça a été un combat. Hein. Ouais, mais quand même, elle est vachement bien, les cinématiques et tout, on les a bossé. Oui, bah vous les enlevez quand même. Ça n'a rien à voir, c'est pas... Et ça a donné en fait le fait que le mode speedrun n'est pas accessible dès la première run. Ouais, ça c'est Il faut finir le mode fury. Ah ouais. Pour, voilà. C'est comme ça qu'on a négocié, on dit non mais ils l'auront fait le jeu les amis. Vous inquiétez pas, ils auront vu votre histoire, ils auront vu vos cinématiques, ils l'auront peut-être fait et refait. Petite quand même ironie du sort, j'ai vu un gars runner le mode promenade avec l'ice split. Parce qu'il savait pas qu'il y avait un mode speedrun quoi. Donc il était en mode promenade et puis je suis allé sur son stream, je lui fais écoute mec là t'es pas du tout comme il faut, t'es un mode speedrun. Ah oh, ouais, il y a un mode speedrun, puis je lui dis ça enlève les cinématiques, il fait ah oh, ouais trop bien. C'est impossible de battre leur corps même en mode promenade qui est vraiment beaucoup plus facile. J'ai pas joué au jeu quasiment. J'ai été jusqu'au 7ème boss sans mourir en mode promenade et je joue beaucoup moins bien que toi, tu vois. Après c'est peut-être quelqu'un qui comme Twin aime bien prendre des jeux et faire le speedrun dès le début en blind. Si donc jamais ça arrive, ça. Moi je connais les cheats. Ça permet de débloquer le mode speedrun, mais voilà. Si vraiment il y a des gens qui ne peuvent pas attendre, ça leur paraît insurmontable, il y a moyen de trouver des solutions pour ça. Au pire, une petite sauvegarde téléchargée à droite à gauche peut permettre d'avoir débloqué le mode fury très rapidement. Des pertes de framerate sur PS4. Peut-être, mais sur PC, il n'y en a pas eu là. Hein. Sur PS4, je crois qu'il y en a extrêmement peu. Hein. Ça dépend des PS4, ça. Hein. Il fait chaud en ce moment. Je le trouve très classe, ce gars. C'est trop classe comme phrase. Il a un petit côté d'Alcim, effectivement, il se bat comme Loki Cool. C'était une phrase de Woolmar dans le tournoi des légendes. Laisse parler le vieux, effectivement. Parce que là, il y a une référence à MGS. Il peut mourir de vieillesse. Alors je sais pas si c'est possible, mais il te dit qu'il est vieux et voilà, tu pourrais le laisser mourir de vieillesse. Et donc si tu l'attaques pas, bah il y a pas de boule, il y a juste des tirs là à éviter. Et tu peux le faire, je sais pas combien de temps. Alors je sais pas si c'est vrai. On en parlera avec Emric. Je pense que ça pourrait peut-être même être une des questions pour gagner un jeu. Est-ce qu'on peut vraiment laisser mourir de vieillesse ce boss? Mais j'ai rendez-vous avec Emric pour définir justement les questions, le mode de gain des clés, voilà. Il dit « You are waiting for me to die of an old age ». Ça rappelle effectivement beaucoup MGS. Ce qui doit expliquer la présence d'Hideo Kojima dans les remerciements. Mais ça me fait plaisir d'être dans les remerciements du jeu à côté d'Hideo Kojima. «
j'y vais en mode bourrin. Oh, tu fais bien. C'est une bonne méthode pour ce boss. Après, tu peux tenter ta chance en étant plus précis, en essayant d'aller plutôt taper le boss que de tout péter. Mais ouais. Voilà, ça c'est chacun sa façon de faire. Mais pas en mode speedrun de toute façon. Mais ça, on attend de voir un petit peu comment les gens vont se débrouiller pour trouver des méthodes les plus rapides justement pour ce genre de phase. Tu vois, ça m'a intéressé de voir comment les gens vont... Ah oui, tu l'as pas détruite avant, donc ça t'a pas donné de PV. Ah, Hideo Kojima Up. Ça c'est bien. On doit toujours remercier Hideo Kojima. Moi, je pense qu'il devrait être au générique de tous les jeux vidéo qui sortent. Parce que voilà, ça, c'est comme ça. C'est une règle. Ouah, putain, à côté de Drill Me Up. Ouais, Hideo Kojima, je sais pas s'il est au courant d'être à côté de moi dans le générique de Fury. Peut-être que je le prévienne. Il a quand même la chance d'être à côté de moi dans le générique de Fury. Merci Clear, bah bonnes vacances aussi. À bientôt. Peut-être lundi ou mardi, on se voit. Ouais, petite récupération de PV bien trouvée. Voilà. Alors attention, parce que je crois que les panneaux se régènent. Oh. En tout cas, à une époque, ça se régénérait. C'était bien casse-couille. Ah, le tir puissant. Ouais. 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 Ah ouais, c'est l'heure du dash. J'aime bien ses patterns à lui quand même. Ah, si Hideo Kojima tweet les crédits de Fury parce qu'il est à côté de moi et qu'il met un Atril Myop dedans, je suis très content, mais je suis pas sûr qu'il me connaisse. Je suis pas sûr qu'il ait regardé Speed Game, Hideo Kojima. Ou GTA Demago. On va savoir, peut-être qu'il est un fan de GTA Demago. Ce boss est pas effectivement très dur, il est particulièrement long par contre. Et puis bah, il a des longues phases où on peut pas le taper et c'est vrai que c'est un peu... C'est difficile de savoir s'il faut faire quelque chose ou pas. Ou il faut ah vous avez fixé, un... merci. Oui oui, Exkill de Combat Designer effectivement aussi. J'avais pas vu que t'étais là, mais voilà. Donc effectivement, vous avez fixé ça. Parce qu'il régène plus les trucs. Avant il régénérait, ça a été enlevé apparemment, nous dit Exkill, parce que c'était vraiment trop frustrant de pas pouvoir passer. Peut-être qu'il est fan de Fi, Hideo Kojima, ça c'est possible. Je trouve. Alors Vinkaiser, salut, comment ça va? Je trouve qu'il y a une phase en particulier qui est ultra relou, il n'y a pas moyen, j'y arrive pas. Bah écoute, moi je trouve que en tout cas tu te débrouilles très très bien, Clément. Tu vas très bien, tu joues très bien et tu apprends très vite. Je ne suis pas surpris, mais. Ouais, le compte tu peux le faire vraiment bien avant. Ah oui, oui, c'est large. Charge ton épée! Voilà! Attention! 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 Ah oui, ça fait tellement mal quand elle est chargée. Où signale-t-on les bugs? Bonne question. Je ne sais pas. Peut-être que tu peux pouvoir nous répondre, Exkild. Vu le scénar, et je pense qu'effectivement ils sont fans un peu de série B. Il y a un côté. Je trouve qu'il y a un côté même BD des années 90-80 dans le scénario. Mais bon, ça, je ne vais pas vous spoiler tout le scénar. Je ne sais pas. Oui, ça va bientôt être patché. Le jeu, et vous inquiétez pas, les développeurs sont... Vous êtes au taquet, les gars, je le sais, ça fait plaise. Pourquoi avoir mis des voix jap? J'aime beaucoup, mais c'est un peu cher payé pour une feature qui va faire plaisir à deux gugus au fond. Si tu considères qu'un pays de 130 millions d'habitants qui aiment bien les jeux où il y a du skill, c'est deux gugus au fond, je suis pas d'accord avec toi. Je pense vraiment que... Ah, t'es...
potentiellement, s'ils arrivent à vendre le jeu au Japon, ça fait quand même beaucoup. Et moi, je trouve que c'est marrant d'avoir la voix en Jap. Voilà, je sais pas. Je trouve que ce jeu pourrait être japonais. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que ça pourrait être un jeu japonais? Ouais, tu te fais mal avec tes propres tirs. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui jouent en japonais au jeu. Que ce soit des Américains, des Français, les gens aiment bien le japonais, voilà. On se prépare exactement pour la blind race de Twin, CDV et Karim. Mais ça fait. Il y a un petit côté anime effectivement. Mais on pourrait. Les voix françaises sont de qualité, hein. Bon, il n'y a pas la mienne. Ça, je suis un peu déçu. Mais voilà. Je pouvais pas tout faire. Encore pas tout à fait habitué au fait de relâcher le bouton. Ouais, t'as vu, ça prend un peu de temps. C'est le truc le plus dur à maîtriser, je pense, du jeu, en fait. Ce jeu, il est comme Jean Redo, il pourrait être japonais. Bonne chance, les gars, en tout cas, pour les patchs du jeu. Je sais que vous êtes au taquet et je vous souhaite bonne chance parce que c'est pas facile. Si tu es sur PC, passe en fast test en attendant le patch. Si tu es sur PS4, on a prévu un patch d'Optim. Très bien. Ah, je suis d'accord avec toi, Tyralis. Je suis bien d'accord. Ta voix, tu l'auras dans Skyrim et ce quand j'aurai fait le follower. Je sais pas exactement de quoi tu parles, Skrein, mais si, je suis appelé par... c'est Bethesda, non? Que je... Skyrim? Ouais. De jeu. S'il m'appelle, je suis d'accord pour faire une voix dans la version HD de Skyrim, s'ils mettent à jour les voix aussi, les voix HD. La parade parfaite, elle est possible sur 100% des tentatives. Oui, je crois, Xeres. Le Fury est un peu rough sur le burst, mais c'est pour préparer à des boss suivants. Bah oui. Vous vous doutez bien que si le jeu marche, il est possible qu'on ait des... Il n'y a pas de mode multi au jeu. Sauf si on considère que le mode speedrun est un mode multi. Tu affrontes le reste du monde. Voilà, je ne me trompais pas avec skill, donc c'est bien ça. La parade parfaite est possible à 100% où il faut parer à 3 frappes. Tyralis, c'est pas nouveau, effectivement, d'avoir une OST qui s'adapte en fonction du pattern, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de la musique interactive. Ah, Ronan le Barbare, le guerrier breton, c'est vrai. Ça va ? Ça va. Tu t'amuses bien ? Ouais, c'est sympa. Alors, c'est pas dur, Tyralis, de toute façon, les boss n'ont pas de nom à part dans le mode speedrun, si je ne m'abuse. Ils ont dû nommer les splits, et donc ils ont des noms, les boss, à ce moment-là. Mais sinon, ils n'ont pas de nom. Ça, on en parlera à Emmerich aussi, d'ailleurs, pourquoi est-ce que il n'y a pas de nom, en fait. Tu vois, les boss, ils arrivent comme ça, ils n'ont pas de nom. Toi non plus, tu n'as pas de nom, hein. t'es le player, quoi, t'es le hero, je ne sais pas. Alors, il n'y a aucune influence de Afro Samurai dans le jeu, à part peut-être que le designer des boss, c'est le gars qui a fait Afro Samurai. Mais ça, je pense que c'est pas forcément lié. Mais on va faire comme dans la Commu Suite, on va renommer les persos, ça deviendra la rame. Tu verras pourquoi, parce qu'il y a un boss qui se bat avec une rame.
Les cheveux. Ah, c'est vrai qu'il pourrait s'appeler les cheveux, le héros. La cape et les cheveux. En danger. Voilà. Takashi Okazaki a fait le design des boss. Avoir le franchement, j'aime bien le côté épuré justement de cet HUD qui a été changé à la fin d'ailleurs du développement du jeu, et je trouve bien mieux comme ça avec un HUD très épuré. Je trouve ça très bien. Et donc avoir le nom du boss, le mode speedrun ne rajoute que le nombre de hits et le nombre de KO toujours affiché, mais à part ça. Bah oui, c'était ça, il fallait bien qu'on les appelle. Mais on est d'accord qu'ils n'ont pas de nom officiel dans le jeu, c'est que le mode speedrun qui donne des noms au boss. Ah, The Hand s'appelait Father. D'accord. C'est rigolo. Ah, ils ont des noms officiels. Le mode speedrun n'augmente pas la vitesse du jeu. Je sais pas pourquoi ça ferait ça. Il y a zéro recover sur le pari si tu les réussis. Normalement c'est ça qu'on avait vu, j'espère que c'est comme ça dans le jeu. Ah, en tout cas... bien joué. Plus ou moins, ah c'est bon. Voilà, on est bien d'accord. C'est un truc dont on avait parlé sur le, quand on avait fait le playtest, on va dire, du jeu, justement, que le pari n'est pas de recovery si tu le réussis. Donc en gros, dès que tu as réussi un pari, tu... En tasse, ça pourrait être bien débile, mais bon, le boss, de toute façon, ne tape pas plus vite que certains trucs, c'est juste que tu raterais jamais rien, quoi. Allez, 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 pas si vite. Le 39-20, est-ce qu'on leur dit que je connais pas ton pseudo, alors je sais pas si c'est toi, mais je ne crois pas, qui a fait mieux que 39-20 sur PC. Parce qu'il y a un record du monde interne. Il y a, tu sais, le developer time, ouais. Et qui est en dessous de 39-20 pour le coup. Mais c'est exceptionnel, hein. Aussi vite, faire un 39-20 sur le jeu, ça m'épate, ça me fait plaisir qu'il y ait autant de gens à jouer au jeu et qu'il y ait déjà des temps aussi bas. Hein. Faut un sacré niveau pour faire 39-20. Ah, tu n'as pas speedrunné encore. Je pense effectivement qu'on est d'accord, 36 sera un premier palier. Ah oui, non, c'est ça, X-Kill. Donc c'est ça, c'est bien la personne à laquelle je pense. Oui, il a speedrunné le jeu, et c'est actuellement... En fait, vous avez le recordman du monde du jeu dedans, mais il a un peu triché parce qu'il avait le jeu avant tout le monde. Il a travaillé dessus. Donc il triche un petit peu. Mais voilà, il attend que quelqu'un le batte, je pense, pour s'attaquer au jeu. Ça va être super intéressant, je n'en doute pas. T'es à 33 maintenant en Sum of Best Ah ouais... 33, c'est ouf. Hein. Moi, si un jour il y a sub 30 qui tombe sur le jeu, c'est, on est, je pense qu'on sera pas loin du no hit hein, pour un sub 30. Hein. Je suis content que tu sois là en tout cas. Et bah, peut-être que si tu peux être avec Emeric aussi mercredi, je ne sais pas si c'est possible ou si on peut t'accueillir sur Skype pour discuter, bah ce serait sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'on rigole bien en plus. Oh là là, Scrain, t'es en forme.
Ah ouais, c'est vrai. On avait eu ce débat. En fait, le problème, c'est qu'une run no hit, qui est donc extrêmement impressionnante, de ne pas se faire toucher une seule fois du jeu, serait plus longue qu'une run 10%. Parce que tu dois prendre des dégâts pour gagner du temps. De temps en temps. Mais voilà, ce sera une catégorie à part qui sera folle, quoi. Sub 33, 4 jours après sa sortie, ça n'existe pas. Hein. Le meilleur temps est un sub 40 actuellement. Hein. Ah, d'accord. Ça marche, Extreme. Ça marche. Bah ça, tu le sauras, Tyralis, si tu fais un no-hit, s'il y a un succès pour le no-hit. C'est dur, hein. Ah, sub 33 en sum of best. Oui. Mais pour quelqu'un qui triche un peu, qui avait le jeu beaucoup trop auto. Moi aussi, je laisse ça aux bons joueurs de savoir si oui ou non il y a quelque chose quand on fait la run no hit. Ah, Vin Kaiser te dit bon, en tout cas, qu'il aille, tu bloques au même endroit que moi. Genre, Vin Kaiser, t'es aussi fort que qu'il aille au jeu vidéo, quoi. Si, il y a un décalage de son, Ryutsune, et j'en suis désolé, ça vient d'OBS, pas du tout du jeu. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai changé d'OBS, là, je suis passé au studio 014.2, qui est la dernière version sur Windows 10, et on a testé 2-3 solutions, et il y a toujours un décalage dans le son, que l'on ne s'explique pas. Donc j'en suis vraiment désolé, mais sachez que le jeu, lui, pour nous en tout cas ici, quand on joue, même dans OBS, quand on regarde, il n'y a pas de décalage de son, quoi. C'est... voilà. Bienvenue dans un univers inexplicable. D'accord. On est au courant, Ryutsune, mais merci de l'info. Meurs, papy. Pour le décalage, c'est parfois la qualité du stream qui joue. Bah, je stream en 3500, enfin la qualité maximale que nous propose Twitch, quoi. Salaud. Non, c'est pas possible, là, c'est vraiment le fait de capturer le jeu qui pose problème, hein, parce que le nouveau apparemment son synchro. Ce serait fou que en source ça lag et en high ça lag pas. Ah, t'as fait une vidéo. Eh bien, j'ai hâte de voir ça, vu que t'es toujours le recordman du monde, hein, même si je te crois, même si t'as, on va dire, nos vidéos, nos PB, quoi, hein, mais toi, t'as en plus une vidéo de ton PB. Alors, attendez, on va vraiment faire le test. S'il y a des gens en high qui n'ont pas de décalage de son sur le jeu et que les gens en source ont du décalage sur le son sur le jeu, je veux avoir une explication à ça. Ouais, mais je préférais ne pas avoir à utiliser un logiciel payant, donc... Mais refais une vidéo, Exkid, va vraiment speedrunner le jeu, là. En moyen, il a l'impression de pas avoir de décalage. Franchement, s'il y a un décalage entre le source, le high et le moyen, je ne peux rien faire pour vous. Là, c'est plutôt un délire de Twitch qu'autre chose, quoi. Oh,
Ouais, non, je pense que c'est le... Je sais pas du tout d'où ça vient. On ira poser la question. Allez voir sur les forums de BS, on doit vraiment pas être les seuls à avoir le problème. Salut Van Houten. Wow. Tu l'as one shot. Bien joué, bien joué. C'était pas facile. Tu l'as tué en 4-5 FC? À peu près. Je crois, j'ai dû mourir 3 fois. Ouais, donc c'est bien. Tu joues très bien. Beaucoup plus intéressant que si c'était moi qui jouais, parce qu'on sera encore au premier boss. C'est pas vrai. Bah tu l'as fini, non? Ah bah non, t'avais pas les... T'avais les c'est pas cette version-là, donc c'est pas comparable en fait. Tu l'as pas fait après qu'il soit sorti? Non, j'ai rejoué un peu, j'ai joué un peu en promenade pour voir quel était le niveau de difficulté de la promenade. Oula, il y a des stropoles qui pop. Oula. C'est vrai que tu as un peu massacré un ancien aborigène australien qui parle japonais. C'était peut-être le seul de son espèce. Le player change automatiquement de qualité. Ah bon? Scream qui dit ça. Ouais, et puis on nous dit qu'Obel Studio délire complètement de toute façon. Écoutez, pour le stream que je ferai avec Emeric, Karim, CDV et Yann, de toute façon ce sera différent vu que ce sera à Souvemix avec Prosper à la Réal, que moi je ne ferai qu'envoyer mon flux d'un OBS très classique de ma caméra en fait. Je ne jouerai pas donc j'aurai que la caméra. ce sera, il n'y aura pas de problème sur là. Est-ce qu'il y aura un cosplay, demande Ryuki. C'est une bonne idée. J'ai pas prévu. Déjà peut-être que je mettrai une casquette s'il fait un peu moins chaud. Mais pour l'instant rien de prévu de ce côté-là. J'aimerais bien avoir, je sais pas du tout si j'ai un moindre truc qui peut faire lapin. J'aimerais bien le cosplay du lapin. Franchement, ça peut être trop cool de cosplay ce lapin. Hein. Ça peut cartonner à la Japan Expo 2017. Hein. J'ai bien aimé d'ailleurs le cosplay de Papers, Please. Il y a eu un cosplay de Papers, Please, j'ai pas vu. Hein. Il est dans une petite baraque, mais qui portable. Donc il peut se déplacer. Ah oui, d'accord. C'est très très bien. Et il checkait les papiers des gens. Ouais. Très bien. Audio en japonais, ouais, j'ai mis en japonais. Vous voulez que je vous mette les voix françaises? On peut, hein, si vous voulez. Hein. Oula. Oula, tremblement de terre. Ah, si je fais ça, c'est... Ah, on va tous mourir. C'est la Big Sister de Bioshock 2. Elle ressemble à quoi? J'ai pas fait le 2. J'ai fait le 2. Ah, le robot rigolo est encore tombé. Oh, et pourtant il allumait. Bon, attendez, avant que t'arrives au boss. On va aller voir ce qu'était le Stropole. Et pourquoi tu montres ça maintenant dans le gameplay capture? Ah ouais. Oui, voilà. C'est vieux comme ça. Éviter de voir... Oui. Ah, très bien. Et donc le Stropole, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment vous faites? En high, j'ai pas de décalage. Alors, je veux voir... Results. Donc apparemment, je regarde pas la stream en fait, j'ai pas... Comme j'ai pu tomber sur le Stropole, d'accord. Très bien. Merci. C'est très utile ce que vous faites, les gens. Sinon, en source, j'ai du décalage. Ah, d'accord. Attendez, on voit l'image. Merci, Pilou. Regardez bien. Waouh. Transition. Ah oui, d'accord. Très bien. No weapon, no... Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui ont fait des cosplays. D'accord, très bien. J'aime bien. Alors, attends, on peut faire... Waouh, t'as vu, c'est magique quand même. C'est bien quand même le studio, on peut faire 2-3 petits effets sympas. Et on disait qu'on voulait faire quoi sinon? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on voulait changer? Voilà, on a vu le Stropole, on a vu ça. Ah oui, le robot. Robot rigolo qui apparemment, effectivement, s'est arrêté. C'est pas grave, on va relancer Robot rigolo. Voilà, je t'en prie.
Les voix FR. J'imagine qu'il y a des voix FR dans le jeu. Oui, allez, on va vous le faire. Non, mais ils sont casse-couilles, tu vois. On peut mettre les voix en fer, mais les sous-titres en japonais. En japonais. Je suis assez d'accord avec ça. Donc on va mettre les voix... On va faire l'inverse. J'espère qu'il y a les sous-titres... Très bien. Ouais, ça, du japonais, c'est du chinois, ça. Je crois que c'est du japonais, ouais. Deutsch. Non, non, c'est du japonais. Je crois que c'est du japonais, ouais. Et du coup, j'ai... Ah si, j'ai... C'est continué, ça. Bah, tu peux mettre là, retour, ça doit marcher, non? C'est bon. Voilà. C'est mieux comme ça, vous êtes content? Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Du coup, j'aime bien que tu montes un peu le son du. De, je sais pas où. Ouais. Je ne sais pas grand chose de toi. La fenêtre est ouverte. J'ai entendu des choses dures sur toi. Et. De ce que c'est j'ai toujours vu. Délicat de faire des voix françaises. Mais on a une chose en commun. Oui, toi et moi, on n'a plus rien à perdre. Ça rentre bien. Parce que chaque seconde que l'on passe enfermé ici, on a déjà tout perdu. Ouais. D'écouter les voix françaises. Non, elles sont bien les voix. Ouais. Non, mais j'ai du Lumi au pire pour m'aider à remettre le jeu en français. Tu sais, il a été contaminé. Je ne sais pas s'il va dire grand-chose. Il ne peut sans doute plus parler. Mais s'il te parle, n'écoute pas son délire. Bah, on entend à travers les micros parce qu'on joue sur les enceintes, là. Et c'est surtout le micro de Killai qui gobe ça. Peut-être en, je sais pas, le tourner, non, il n'y a pas une... Bah là, il est vers toi, quoi, en fait. Ouais. Je peux pas... C'est un micro qui est pas top, en fait. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas d'autres micros à donner, alors après, on peut faire ça. Voilà, dès que tu parles, on peut pas passer. Regarde. Regarde la crasse autour de toi. La noirceur. Regarde-moi. Et ne prends pas cet héroïque. C'est ta propre image que tu contemples. Toi, c'est toi qui t'as fait ça. Enfin, lui, il est un peu biochoquesque, effectivement. Ouais. Vengeance. Toi, tu préfères les sous-titres Jap, tu comprends mieux l'histoire, Pilou. Ah, les mobilettes, c'est le meilleur. Moi, ce que je préfère, c'est les mecs en mobilette qui font semblant de changer de vitesse en arrêtant d'accélérer et en réaccélérant. Ça, c'est mon plus grand bonheur. Hey, hey, yo. Non, ça tu peux pas parer. Ah, tu peux pas. Ça tu peux pas parer, non. Je n'ai jamais vu quelqu'un parer ça, en fait. Ça se fuit et après on contre-attaque, voilà. Du coup, le volume de jeu est un poil fort. Oui, bah, vous êtes casse-couilles un peu les gens aussi, non? On distingue à peine vous. Bon, à la base, je le sens bien. C'est bien fait. On va baisser le jeu. Voilà. Oh, 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 je peux tirer. Je peux embêter Clément. Là, tu viens de dasher aussi. Ah, j'ai dashé? Je crois. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Ouais, je te laisse tranquille, c'est vraiment... Par contre, tu peux cancel les AOE. Oui, effectivement, quelle que soit la direction où je dash, si je dash au bon moment, je ne prends pas le truc, j'ai l'impression. Ah, tu voudrais qu'on fasse le poirier, effectivement.
Ah, dommage. C'était bien. Faut que j'appuie sur très... sur le bouton vraiment... Ah ouais, t'as vu, il faut vraiment être au taquet, ouais. Je pense par contre qu'on s'arrêtera vers 20h, histoire qu'on puisse manger avec Eli et se préparer pour le TAS bloc. Ouais. Ça te va? C'est fort le retour boomerang là. Alors non, tous les tests ils ont dit, franchement on dirait le lapin de Donnie Darko. Voilà. Ouais. Alors qu'il lui ressemble pas tellement en vrai. Hein. Bah, c'est juste lapin, qu'il fait peur. Ouais. C'est un lapin qui fait peur, mais en vrai il lui ressemble pas. Hein. Ah ouais, vas-y, défonce les algues. Moi, je trouve ça nul qu'on puisse pas sauter. Il faudra un wall jump. Bien joué. Ah, oh, c'est fort ça. En fait, tu peux pas cancel ton attaque par le contre. Non. Ah non. Donc, quand t'as pris la mauvaise décision, c'est fini quoi. Ouais. Faudrait un grappin, oui, et plein d'autres trucs en fait, hein. Un grappin, un arc, une épée qui change, un gras lapin exactement. Le nom de la société qui a fait le jeu c'est The Game Bakers, ils sont à Montpellier. Est-ce qu'on a enfin notre premier jeu indé français qui pourrait avoir un grand succès à l'international, un peu comme un Super Meat Boy, comme un Hotline Miami? Si vous connaissez un jeu français qui a eu qui a été aussi reconnu que ça, bon, j'en ai pas vu pour l'instant. Il y a des jeux sur mobile, je crois, français qui ont bien marché. En dehors de qu'ils soient indé, quoi. Hein. Ah, oui, parce que si on a Ubisoft et tu vois, on a des gros jeux en France, c'est pas la question. Coucou Tifa! T'as gagné, t'es déjà là, tu devrais pas être en train de jouer toi. Il est pas 20h. La French Touch, exactement. Salut Tifa. Alors c'est quoi ton meilleur temps Tifa sur le jeu d'ailleurs? Vu que tu en plus d'être le premier à l'ultime décathlon, il a le temps de René Fury Tifa, tu vois. Et il a gagné, il a encore gagné. Sacré Tifa. Ouais. D'accord. Ah oui, c'était la fin du tournoi. Bah oui, c'est la fin là, il est 19h38, c'est le temps de dire des bisous. Coucou. 1h20 et quelques, d'accord. Ah, t'es pas encore au niveau des meilleurs, mais après la fin de l'ultime finale, t'auras tenté d'attaquer mon Tifa. Et qu'est-ce que t'as pensé du mode speedrun alors, Tifa, vu que toi t'es un vrai speedrunner qui a testé le mode speedrun, y a des choses qui t'allaient pas, y a des choses à changer Parce qu'on va aussi pouvoir faire des mises à jour du mode speedrun hein, en étant toujours en contact avec The Game Bakers. Donc s'il y a vraiment des choses que vous dites ah, ça il faut à tout prix le changer, on vous écoutera, il n'y a pas de problème.
Salut Tarantula. Non mais c'est pas une question de savoir s'il y a des bons jeux indés, hein. C'est une question de savoir s'il y a des jeux indés qui ont eu un même succès qu'un Meat Boy, qu'un Isaac, qu'un... J'ai fait qu'une run du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de voir les différences de temps entre plusieurs runs. Un speedrun de Fury pour la GDQ, je pense que c'est clair. Honnêtement, moi je le ferai pas, mais je pense qu'il y aura quelqu'un qui sera très fort pour Fury dans 6 mois. Et il y a très grande chance que je... J'espère qu'il y aura une grosse communauté de speedrunners. Ben voilà, c'est mon but. Honnêtement, si on a créé un mode speedrun, c'est pour qu'il y ait des gens à le speedrunner. Et que ça marche bien, et qu'il y ait de la compète, et que les gens jouent des milliers d'heures, et qu'on rigole, quoi. Et qu'il y ait des niveaux de fou, et qu'on puisse présenter des speedruns à terme. Mais le fait de pas avoir les promenades, c'est cool, et avoir les temps aussi. Quoi ? Donc, Tifa, t'as pas mis un live split à côté quand t'as runné le jeu. T'en as pas eu besoin. Mon but, c'était qu'il n'y ait pas besoin de live split et qu'il n'y ait pas besoin de faire des scripts dans un live split pour enlever les temps de chargement, pour enlever des trucs à la con. Ouais, Another World, oui, c'est un jeu indé parce que le mode de développement, mais c'est une autre époque. Ouais. C'est une autre époque. J'ai pas dit que la barre était pas haute, Loud. J'ai dit qu'on n'avait pas réussi. J'ai pas dit que la barre était pas haute. Parce que même dans le... Ah, tu joues sur console, donc pas besoin de live split. C'est toujours sympa d'avoir un timer intégré au jeu. Très bien. Là j'ai fait un truc qui est pas une esquive, c'est un peu bizarre pendant le corps à corps. Ah, anecdote, le développeur de Another World est dans les mêmes locaux que The Game Bakers. Eric Chahi ? Bah apparemment. Il a fait son dernier jeu, c'est From Dust, je sais pas s'il a fait des jeux après. Beat by Girls, j'ai travaillé avec Prosper à l'élaboration du mode speedrun, on était des conseillers de The Game Bakers. T'as d'ailleurs Unskill qui est là, qui est un des game designers, un combat designer du jeu. Actuellement recordman du monde du mode speedrun, mais bon, il a pas de vidéo pour le prouver, alors je crois, mais voilà. Mais très très fort au jeu, mais forcément, il a un peu designé les combats. Et Prosper et moi, on les a aidés à designer le mode speedrun et à en faire un bon mode speedrun pour qu'il y ait un maximum de runners à essayer le jeu. Voilà. Donc je rappelle que mercredi prochain, le mercredi 13 à 21h, on organise une blind race, un peu comme on fait là avec Killai, sauf qu'ils seront trois, il y aura CDV, Twin et Karim Debache. Et je serai accompagné sur Skype de Emeric Toa, le game designer principal du jeu, à qui on pourra lui poser des questions, un petit peu comme on fait aujourd'hui avec X-Killed. Mais voilà, directement avec du montage, des trucs sympas. Vous aurez l'occasion de gagner des clés du jeu sur Steam. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir probablement l'OST du jeu et peut-être même des vinyles du jeu. Et ça c'est quand même la classe. Donc voilà, venez le 21, abonnez-vous à la chaîne, notez ça dans vos petits... C'est exactement ça, c'est un partenariat, il est plutôt cool, et c'est le premier qu'on fait, mais c'est pas le dernier, je peux pas vous en dire trop, mais c'est pas le dernier projet que l'on a de ce genre-là avec des développeurs pour l'instant. Donc voilà, il est possible que vous voyez d'autres modes speedrun sur lesquels on est travaillé prochainement, voilà. Tiens, en fait, est-ce que tu sais s'ils se sont inspirés de quelqu'un pour ce boss ? Alors, tu penses vraiment qu'il y a un mec qui est capable de faire ça, de se battre comme ça ? Alors, c'est le 13 juillet, mercredi prochain. Le 21, je suis en vacances. Ah non, l'objectif de la race, ce sera pas de finir le jeu, vu que ce serait beaucoup plus dur. On pourrait mettre vaincre 3 boss, vaincre 4 boss. Je pense que ça fait combien de temps qu'on stream ? 1h49. On pourrait dire 4 boss. Mais effectivement, ce sera un peu... Les temps actuels ne veulent rien dire. Trouver le routing optique va prendre du temps. Oui.
Le 13, tu seras pas là. J'en suis désolé. Bah écoutez les amis, je peux pas, je suis désolé, bon pilou. J'aurais bien voulu un morceau de fin sur le... Voilà, on aurait pu rigoler avec les jeux de la ganache, faire gagner des trucs. Tu es parfait pour ça mon pilou. Ah c'est dommage que tu sois pas là. J'en suis désolé. Écoute, on se tient au courant, voilà. Mais la date était pas facile à choisir. Donc voilà. Je crois que les vinyles ne sont en vente que sur le Bandcamp du jeu pour l'instant. Ce serait pas mal qu'il y ait un leaderboard des temps practice aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce qu'il y a un leaderboard du record du monde. Enfin, il y a un leaderboard, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de limite. Je sais pas du tout combien on peut être. Je crois qu'il y a plus de 300 personnes qui ont terminé le mode speedrun sur PS4. Donc voilà. Ah, ce n'est que Fury Remise. Tu vas me manquer, Pilou, quand même. T'avais même pas fait gaffe aux sous-titres allemands. D'accord. Merci Pencook. Dans le tableau, tu peux voir pour chaque boss les performances de chacun individuellement. Ah oui, non, t'as pas. On ne dit pas qui a fait. C'est le temps global qu'on te donne. On te donne le 10%, on te dit pas le. Mais bon, ça après, ce sera. Si tu regardes le speedrun, si les gens pourront de toute façon enregistrer leur partie et les partager sur. Enfin, je veux dire, les gens qui feront des temps les mettront sur Twitch. Il y aura forcément un leaderboard sur speedrun.com très prochainement. Je pense que je vais essayer de m'en occuper si je peux. Je crois que je vois avec Emeric, justement, je t'en parle un peu, une skill. Ce serait bien que j'ai accès à un serveur qui me permette d'avoir les temps uploadés pour vérifier si les temps soumis des gens sont bons. Et je verrai si je peux gérer la page speedrun.com. J'en parlerai avec Emeric et Audrey, je pense, quand ce sera un peu plus calme après la sortie du jeu. Ah, on pourra mettre ton générique. D'ailleurs, il faudrait que tu me le renvoies. Je sais plus où je l'ai mis. J'ai installé Windows 10. Ce serait super méga cool. T'as vu ? Je savais que tu serais chaud pour ça. Ce qu'on me demande aussi, alors ça, ce sera plus compliqué à mettre en place. Je sais qu'on avait parlé avec Emeric, c'est que, par exemple, les trois premiers, on puisse rejouer leur speedrun dans le jeu. Donc avec des inputs un petit peu comme le fait Ikaruga sur PC. C'est assez marrant. D'ailleurs, bon, il peut y avoir des Fury à l'UD4. On verra. On verra ça. On pourrait même faire mieux. Mais voilà, on verra. Ça va dépendre du succès du jeu, ça. Il est bien parti. Allez, qu'il aille. Ouh, c'était beau ça. Je te charge, je te contre et bla, je te blast. En tout cas, merci beaucoup effectivement, Exkill, d'être passé. Ça fait super plaisir de t'avoir eu sur le stream. Donc voilà, petit test, on va dire en prévision du stream que nous ferons le 13 avec Emeric et tout ça. Donc. Je vous inviterai à revenir le 13 à 21h si vous voulez vraiment un pur truc sur Fury. Ça va être tout foufou, les amis. Ah, j'aimerais bien voir Tifa. J'ai hâte de voir des gens grind le jeu. Ouais, parce que là, les gens testent le mode speedrun. Mais j'ai pas vu des gens grind et faire 8 heures de run et reset dès qu'ils ratent un coup, tu vois. Ça, ce sera marrant. Bienvenue dans l'enfer. Alors, t'es pas obligé de tirer. Là, maintenant, oui. Allez, je crois que tu peux y aller, vas-y! Oui! Chez la victoire. Bien joué, qu'il aille. Merci. Comment était ce boss alors? Pas évident au niveau du corps à corps en fait. T'as souvent un choix à faire. C'est-à-dire soit tu contres, soit tu esquives. Quand il fait ses attaques avec les zones, tu vois, les zones qui sont marquées. Ouais, ouais.
si tu as essayé de contrer qu'il fait ça, t'as pas le temps en fait d'éviter et d'esquiver par la suite. Par contre, l'inverse doit être vrai, je pense. Tu peux esquiver quoi qu'il arrive toutes les attaques. Enfin, ça dépend. Ça dépend, parce que quelquefois il te suit un peu. Mais t'es obligé de contrer pour faire des dégâts un peu importants et puis récupérer de la vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a des positions un peu différentes, donc tu dois pouvoir, à force, arriver à anticiper un peu plus que moi. C'était un peu la loterie quand même. Je dis, bon, je vais essayer de contrer, je dis, il va sûrement attaquer, et quand il fait son attaque de zone, bah tant pis, je me prends. Ah bah, moi je trouve que t'en es bien sorti, hein, honnêtement, tu joues bien, tu joues très bien. Il faut que tu appuies sur A si tu veux que le bonhomme se déplace tout seul. Ou alors tu joues avec le joystick pour diriger ton petit bonhomme. Il fait pas bon et t'imposes dans un speedrun, et là c'en est même pas un. Alors imaginez dans un speedrun. Donc à quand le TAS du jeu? Est-ce qu'il y a une sortie Linux du jeu? Non, parce qu'il n'y a pas de sortie Mac pour l'instant. Donc je pense que c'est sûrement lié. S'il est fait sur Unity... Enfin non, je m'y connais pas très bien, mais je sais que Unity pose... a des exports de jeux Il est sur PS4 et PC pour l'instant. Je ne sais pas du tout s'il y a une prévision de sortie sur Mac et donc Linux, parce que c'est globalement la même chose. Mais effectivement, s'il y en a une, ça serait envisageable. Le jeu est joli, mais je trouve les phases d'exploration trop longues avec le perso qui ne court pas. Oui, mais il n'est pas dans le mode speedrun. C'est parce que tu es trop pressé, tu veux pas apprécier. T'as pas du tout le côté... Oh là là, vous êtes vraiment que des speedrunners. Ah oui, il est vraiment branché, mon micro. Hein. Oui. Je peux mettre plus fort, hein. Mais en fait, c'est que... Il y a beaucoup de repisses. Voilà. Mais non, si... Je commence à perdre courage. Vous n'êtes pas assez contemplatif, quoi. Ça, c'est les speedrunners. Je m'en fous de l'histoire, je vais taper. Ça m'aide à continuer. En tout cas, ouais, les faces sont quand même très jolies. Ouais, moi je trouve ça très joli. Hein. Et dans le mode speedrun, ils n'y sont pas. Donc voilà. Hein. Je sais pas si c'est une méthode de 3D un peu particulière. C'est un genre de cel shading en fait. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce qui est fait dans The Witness au niveau de la technique. Ouais, je pense que ça peut ressembler. Je suis assez d'accord avec ça. Ils n'attendent qu'une seule chose, te ramener en prison. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça? S'ils ne t'ont pas tué, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont raison, Tony Hawk, je pense. Le public, on va dire, de la scène Linux et Mac est sûrement assez faible pour ce genre de jeu. Donc il faut plutôt prioriser la stabilité du jeu d'abord sur PC et PS4 avant de sortir peut-être des versions. Mais alors, effectivement, mais il ne faut pas sous-estimer quand même... Les 1% de gens sous Linux et les 12% de gens sous OSX. Bien, concentre-toi sur elle. C'est ça, effectivement, mais voilà. Après, il y a l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif aussi. C'est peut-être des gens peut-être qui s'investissent plus dans un jeu. Il n'y a pas que les chiffres. J'espère qu'ils le feront. Si le jeu marche, de toute façon, ils le feront. Ça, c'est une évidence. C'est lui qui t'a mis à terre. Il commandait les hommes qui t'ont capturé. Il y a des boîtes aussi qui sont spécialisées dans le portage de jeux pour Mac et Linux. Effectivement. Ce qui est fait, Super Meat Boy par exemple, c'est pas la team. Qui a fait. Et d'ailleurs, il est injouable sur Mac. Il y a une nouvelle version. Sur Mac, ça faisait juste pleurer. Il est sorti 4 ans de retard, quoi. Là, le jeu, il a 5 jours sur PC. On va peut-être leur laisser quelques mois. On verra. Mais on en parlera avec Emmerich, c'est une bonne question. De cette politique-là, effectivement. Non, le PS4, ça m'étonne pas aussi. Enfin, je sais pas s'ils ont eu des partenariats, des choses comme ça. Mais les développeurs me disaient que quand tu développes sur Unity, c'est très très simple de porter sur PS4. Moins simple de porter sur Xbox One. C'est possible. Mais sur PS4, il y a quasiment rien à faire. C'est les gens de chez Splasher en particulier qui m'ont dit ça. Qu'ils sortent sur PS4. Sur PS Vita, j'imagine, et peut-être sur Xbox aussi, en plus, je sais pas.
Bon, je pense qu'on va arrêter là, non ? Oui, on va finir cette cinématique. Voilà. Vous allez voir un peu le début du boss, mais on va pas faire le boss entier. C'est le gamin. Ah non, il est pas vraiment gamin, le boss, là, tu vas voir. Celui qui ne connaît pas la peur ne connaît pas le courage. C'est un... Je puise le mien en toi. C'est le père de Naruto. On est ce pourquoi on se bat. Ah oui. Ou alors, moi, je pensais à un des boss de Dark Souls, tu vois, avec un gros buckler, une grosse épée. Tue l'enfant ! Voilà, exactement. Bah voilà, donc c'est vrai qu'on va s'arrêter là parce qu'on a d'autres choses à faire et puis on va se préparer pour commenter le stream de la SGDQ du Tasblock qu'on attend. Il va y avoir plein de choses très sympas. Et moi j'ai enchaîné par FF6. Ah oui, toi t'as 4 heures d'FF6 après. Ouais. Je resterai avec toi, je pense. Je regarderai en tout cas. Ouais. Ce sera sympa. Hein. Ouais, je pense que c'est sympa. Ce sera sympa. Le runner est très bon. Puis je serai accompagné de Oxydo Réduction. D'accord. Qui connaît très bien le jeu. Qui run la catégorie. Une catégorie et Mister NV aussi. Ah tiens. Ah ah, tu vois un peu le principe de Monsieur Gros Buckler, quoi. Ça sent de la fin de l'UD, les gens arrivent, mais oui, mais nous on s'en va aussi, je suis désolé, parce qu'on a d'autres choses à faire. Je voulais pas stream en même temps que l'UD, j'avais prévu plutôt de le faire hier, et pour des raisons de travail, ça n'a pas été possible. Peut-être qu'on refera ça avec Eli, mais voilà, je sais pas, tu repasseras, streamer de temps en temps. On fera des tutos cubes sur Twitch. Mais ça fait quel stream ici? Vous faites ça sur quel stream? Ici, oui, ce sera ici le gros stream de vendredi, de mercredi 13 juillet à 21h sur le jeu avec le développeur et tout ça, ce sera sur cette chaîne. Oui, c'est déjà la fin, bon, parce qu'on avait un peu de temps, c'était surtout pour tester le mode studio d'OBS, découvrir qu'il y avait des décalages. Mais de rien d'avoir fait ce petit stream. Amusez-vous bien tout le monde, on va faire un petit cassez-vous quand même, parce qu'il y a des règles hein, sur le stream. Et donc, je suis désolé, ça va te couper dans le jeu. Bien. Je t'ai déjà mis à genoux, et je vais te vaincre de nouveau. Pourquoi tu peux pas faire ça ? Je peux mâcher les boutons avec lui, c'est vachement pratique. Allez, on va se mettre un petit cassez-vous. En plus, il est méga dur, lui. Hein, c'est... T'as vu ? Je lis le japonais vachement bien. Bravo. Exit. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi déjà ta région d'origine ? Moi, c'est l'Isère. Tu veux mettre la rappeuse Isère du 38, là ? Ah non. Machin du 38. Misère. Du rap isérois, je connais pas, moi. Il y a des groupes isérois d'origine, chanson française. Je crois que Lutin Bleu, je crois que c'est de l'Isère. Sinon... Ouais, c'est pauvre, votre... Il y a quand même une vidéo populaire qui s'appelle « Isère et voiture ». Conduite en situation d'urgence, les pompiers de l'Isère se forment. Ça fait un peu rêver, mais c'est pas vraiment un cassez-vous, quoi. Les pires cités, les top 10 des pires cités du département du 38, ça fait plaisir. Comment tu as dit que ça s'appelait, ce groupe-là ? Lutin Bleu. Lutin Bleu. Je crois que c'est Isère, ouais, c'est sympa. Et c'est pas vraiment Lutin Alien. Lutin. Ah oui. Lutin. Je crois que... Ouais, non. Ouais. Cette chanson est à chier. Le commentaire de la première. De où ça ? Le rap du perdu. Ça m'a l'air bien. Ça va être un vrai cassez-vous. Attendez, faut... YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui es-tu ? On va regarder ça. Je pense que ça va être un cassez-vous de qualité. Normalement, regardez bien. Transition vers le cassez-vous, c'est beau. Ouais, presque. Presque. Oui, c'est juste... Ah, le plein écran ne marche pas. T'as mis... Quelle scène ? T'as mis le cassez-vous ? Ouais. Ah, mais non, c'est le Firefox qu'il faut que je prenne. Ah, oui. Ah là là, c'est la galère, les petits amis. Viens par là, Firefox.
Et il faut que je retrouve la vidéo. Bah oui, ça aurait été trop facile. Lutin bleu, c'est ça qu'on... Ah, j'ai pas les mêmes vidéos. Alors... Est-ce qu'ils ont fait un clip? Parce que sans clip, moi, je valide pas, hein. Non, mais... Ah, ah peu. Il y a des trucs vraiment... Le lac bleu, une histoire avec elle. Faut que j'enlève viseur, en fait. Ouais, vas-y, enlève. Voilà. Allez, on est... Le rap du Père Noël, c'est parti. Merci à tous d'avoir regardé ce stream. Bon fin de journée. On se retrouve pour les GDQ avec Killai dans pas longtemps. Donc, à tout de suite. Des ciao. Bisous. Ciao. Bye bye. Et maintenant ? Ah bah oui, c'était évident. Allez, il va bosser là. Faut toujours tout lui dire à celui-là. C'est toujours la même chose de toute façon. Bon bah, au boulot. Chef! Oh, quoi encore? On a reçu la liste des cadeaux et... Ah, ça risque de faire un peu mal. Donne-moi ça! Quoi? Encore des iPhones, des iPads et des iPods? Non mais j'ai plus de thunes là! Va vraiment falloir leur expliquer. Oh yo, yeah, let's go, c'est le Père Noël qui rappe. Préparez vos listes, aujourd'hui c'est moi qui gâte. On t'a pas dit que j'étais un imposteur. En vérité, les cadeaux, ils arrivent pas à la poste. Oh yo, yeah, let's go, c'est Père Noël qui rappe. Préparez vos listes, aujourd'hui c'est moi qui gâte. On t'a pas dit que j'étais un imposteur. En vérité, les cadeaux, ils arrivent pas à la poste. J'ai plus les thunes à force de vous bichonner. Les mioches sont jamais contents, je vais démissionner. Avant, je ferais des Playmobil, des Lego, des Pokémon. Aujourd'hui, des mobiles, des Samsung, des iPhone. À force de trop manger, je ne passe plus par la cheminée. J'ai recommencé le sport, je me suis dit, cette fois je m'y mets. Avec ma barbe, les gosses me prennent pour un hipster. Augmente le son, que je m'ambiance sur la piste. Écartez-vous, je débarque dans vos maisons en traîneau. Préparez le festin, j'ai faim, j'arrive entraîné. Traîné par Myrène, c'est moi le boss du pôle Nord. Ambiance festive, mais je connais l'envers du décor. Je porte vos cadeaux, j'ai mal au dos. Offrez-moi une thalasso, dans ce monde tout est possible quand t'as les sous. Où j'en ai ras les bottes, la légende se rebelle. J'ai exposé ma cagnotte, signé Papa Noël. Père Noël, attendez. Moi aussi, faut que je dise quelque chose. Alors vas-y. Ça y est, c'est Noël, j'suis tout excité. Encore des cadeaux pour les petits, c'est bien mérité. On va faire le tour du monde en quête d'enfonçage. Allez Père Noël, préparons nos bagages. Il est temps de démarrer, ce vieux train non rouillé. Vous inquiétez pas les rênes, on va les faire galoper. Nettoyez vos cheminées, faites attention. Le Père Noël arrivera bientôt dans vos maisons. Alors les enfants, vous avez commandé quoi cette année? Des iPhones, des consoles ou bien une TV? 2015 c'est la crise, toujours plus de gadgets. En 2016 je démissionne, je retourne sur ma planète. Joyeux Noël les petits. Ne vous endormez pas tard. Si j'apprends le compte, je vous enverrai le père Fouettard. Le lait et les cookies, laissez-les dans l'assiette. Une fois que je les aurai mangés, je prendrai la poudre d'escompette. Mec, la nuit, faut vraiment dormir. Bah, tu me crois jamais là. Vas-y, raconte. J'ai fait un de ces rêves de malade. J'étais déguisé en Père Noël dans un clip de rap en train de faire une musique, puis toi t'étais un lutin déguisé aussi, je sais pas, vraiment n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. En attendant, je suis en train de battre le Barça 4-0. Ah ouais? Tu veux essayer? Vas-y, fais une dormir manette. Là. Bon. T'es vite celui-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé parce que nous on s'est vraiment donné de la peine à la faire. Et je crois qu'on s'est vraiment amusé à la faire aussi. Ouais, c'était lourd, poteau, check. Et pour tous ceux qui se sont dit ouais, l'instru me dit quelque chose, copyright. Vous aviez raison parce qu'en fait c'est l'instru du Prince Aladdin de Black M avec Kev Adams. Sauf
qu'elle a entièrement été remixée et refaite. Exprès pour Noël. D'ailleurs, un grand merci à Belgium FL Studio, hein, j'espère qu'on dit comme ça. J'espère. Qui a fait un boulot incroyable sur cet instru. Il fait un travail de malade, je vous mets sa chaîne dans la description, allez voir, c'est un ouf. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, merci à tous ceux qui le font, je vous kiffe. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et suivez-le aussi sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ah, et si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez plus de vidéos, on est deux. Ah ouais. Un petit pouce bleu, même si vous n'avez pas kiffé, un petit pouce toujours bleu quand même, un petit pouce ça bleu. Fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, allez. On vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et surtout, changez pas. Ciao! Tu veux encore plus des vidéos? Alors clique juste au milieu là, ouais. Ouais, tu vois? Ouais, vas-y, clique. Oh, et sinon, tu peux t'abonner aussi à la chaîne, tu vois, tu cliques juste en bas là, c'est gratuit. Ouais, il y a des vidéos et tout, c'est cool, vas-y, clique.